Les grandes aventures de France 2. Musique originale d'André Pop. Réalisation René Villemay. Aujourd'hui, d'après Edgar P. Jacobs, SOS Météore, premier épisode. Nous sommes à la fin de l'hiver, près de l'opéra, 6 heures du soir, une véritable tempête s'est déchaînée sur Paris. J'ai toujours admiré l'adresse des chauffeurs de taxi parisiens. Parvenir à se faufiler au milieu d'un tel flot de voitures, c'est une performance. Ah, le quartier de l'Opéra et de la Madeleine à 6 heures du soir, c'est le carrousel. Mais vous savez, monsieur, à force de rouler, on s'y fait. On n'y pense même plus, ça devient automatique. Si ce cochon de temps se calmait un peu, ça serait pas plus mal. Même en parole, on se croirait à la veille de la fin du monde. Vous avez ce temps-là depuis longtemps en France? Oh, une bonne quinzaine. Mais depuis 3 jours, c'est le bouquet. Grêle, pluie, vent, orage, tornade, tout quoi. Un vrai déluge. Et des inondations partout. Jamais vu ça, moi. Et il en est ainsi sur une bonne partie de l'Europe. Je peux vous en parler, puisque... Oui, ça va. Pardon? Non. C'est pas vous, monsieur. C'est à l'autre, derrière. Ah. Qui, oui, me fait des appels de fer. Il est pressé, sans doute, cet Amerloc. Ah oui, c'est en effet une grosse voiture américaine. Une Ford. Ouais. Eh ben, s'il est pressé, il a qu'à s'acheter un hélicoptère. Non, mais, pas idée, non? Oh, mais c'est qu'il paraît nerveux. Ouais, ben il se calmera. Hein? Oui, je vous disais donc, ce temps-là, c'est pas normal. On m'ôtera pas de l'idée que c'est leur sale bombage qui a détraqué les saisons. Et puis là, ces trucs volants qu'ils envoient dans le ciel, ça vous chahute forcément les courants, les vents, les nuages, les rayons cosmiques, ce que je sais, moi. Résultat, ben il y a plus de saison. Misère. Là, il faudra bientôt aller passer ses vacances sur l'équateur pour trouver un peu de soleil. Vous paraissez bien pessimiste. Moi? Oh non, ce que j'en dis. Non, mais regardez-moi cet énergumène. Ah, le conducteur nerveux, toujours. Ouais, il commence à m'agacer. Parole, c'est un maniaque. Ah ben, il clignote encore, et ses coups de frein. J'ai toujours l'impression qu'il va entrer chez moi par mon coffre arrière. non, mais regardez-le, monsieur. Il sort de la file, il veut me passer devant, l'animal. Va donc, patate! C'est bien fait. Le feu vient de passer au rouge. Oh, c'est incroyable. Ah ça. Il a réussi à passer, le sauvage. Oh, ils sont deux. Eh bien, dites donc comme chauffeur, hein. Ah, ça y est, son compte est bon, je crois. Mais là, ils foncent toujours, voyez. Et les voitures qui arrivent sur la droite. Damned. La 4 chevaux, il va... Ça y est. Ah ben ça y est, c'était fatal. Et ils continuent à la Concorde. Mais ma parole, ils sont fous alliés, ces gars-là. C'est un bulldozer. Tout de même en plein Paris, à une heure de pointe. Oh, c'est des types comme ça, moi, je les coffrerais à vie. Rien que pour l'exemple. Ah, tenez, il y a un agent qui vient vers nous. Quelqu'un a-t-il le numéro, la marque de la voiture? Oui, moi, monsieur, l'agent. Ah, enfin, bon. Je crois. Eh bien, je vous écoute. Attendez. C'est ça, oui. Pour le début, je peux rien dire, mais ça se terminait par CL75. C'est ça, attendez, oui. Oui, j'en suis sûr. 8CL75. C'était une Ford Custom et ils étaient dedans, deux hommes. Ben bon, merci. Moi, je vais te leur mijoter un rapport. Moi, je vous dis que ça... Oui, et la 4 chevaux, monsieur l'agent? Oh, une chance inouïe. Elle a fait un tonneau et s'est retrouvée sur ses roues. Oui, un peu cabossé, mais pas de bobo pour le chauffeur. Oui, ben le pare-choc de l'américaine doit en avoir pris un sérieux coup. Elle a accroché la 4 chevaux avec le côté droit. Ah bon, ben je mettrai tout ça dans mon rapport, hein. Merci. Eh ben allez, circulez, quoi. C'est terminé. Mais ne restez pas là, madame. Allez, mais attendez le feu. Allez, pressons, circulez. Non mais, regardez-moi ce temps, monsieur, et le ciel. On dirait qu'on l'a badigeonné à l'anthracite. Et cette ombre d'eau. Si ça continue, vous verrez, on ne pourra plus sortir qu'en scaphandre. Quand je pense que la météo avait annoncé une nette amélioration... Ah, les petits rigolos. Tu parles d'une amélioration. Ah, vous n'aimez pas les météorologistes. Les météorologues... Non, tous des farceurs, des fumistes, parfaitement. De mèche avec les marchands d'un père et des riflards. Voilà mon idée, monsieur. Et pour vous, voilà le terminus. Comment, déjà? Oui, monsieur. Parc des Invalides. Bon, alors ça fait combien? 12 nouveaux francs, monsieur. 12 nouveaux francs? Oui, monsieur. Ah bon, oui, 12 nouveaux francs. Voilà. Merci, monsieur. Et bonne continuation. Oh, jusque Versailles, le trajet n'est pas bien long. Non, mais avec ce temps de cochon, on sait jamais.
Allez, au revoir, monsieur. C'est au revoir. Et le professeur Philip Mortimer pénètre dans la gare. Beaucoup de monde en cette fin d'après-midi. Par petits groupes, les gens discutent, l'air préoccupé ou mécontent. Il paraît que c'est le dernier train pour Versailles. Oui, oui, j'ai entendu l'annonce. La voie est coupée et la Seine monte toujours. C'est une véritable catastrophe. Et à Saint-Maur, c'est encore pire, hein. La Marne a rompu ses digues. C'est idiot possible. Comme je vous le dis, on se déplace en barque. Pauvres gens, quand même, y a-t-il du malheur sur Terre? Oh, n'en parlez pas. Les voyageurs pour Versailles, en voiture. En voiture, s'il vous plaît. Dernier train pour Versailles. Mon Dieu, le train, vite. C'est par ici, suivez-moi. Camden ne s'agit de pas le rater. Voie 4, c'est par là. Pourvu que... Enfin, nous verrons bien. La brousse qui m'attend, qu'est-ce qu'il peut bien me vouloir? Ah, la voie 4, pressons-nous. Départ du dernier train pour Versailles, voie 4. En voiture. Attention au départ. Dans le compartiment du professeur, les conversations sont très animées. Et à l'étranger, c'est la même chose, ils l'ont dit à la radio. Angleterre, Hollande, Allemagne, Belgique, Italie, Grèce. Partout des inondations, des tornades, des tempêtes, comme jamais on en a vu. Que voulez-vous? Ça va avec le reste. Signe des temps, le rock'n'roll, le twist, les blousons noirs. Ah, la vie était autrement agréable autrefois. Maintenant, on ne sait plus être jeune, on ne sait plus s'amuser. Les hommes... Enfin, ceux qu'on appelle les savants jouent aux apprentis sorciers. Ils déchaînent des forces qui sont incapables de contrôler ensuite. On ne m'ôtera pas de la tête que ce sont leurs expériences démoniaques qui chamboulent tout. Je vous dis pas, mais enfin, tout de même, vous avez vu Gagarine, Titov et John Glenn. Oh, c'est quand même quelque chose, ça, non? Oh, mais je vous le demande, jeune homme. Est-ce qu'on a besoin de ça pour être heureux? Hein? Ça vous apporte quoi? Franchement. Quand même. Non, moi, ce qui m'ennuie, c'est ce sacré temps. Et puis les conséquences, les victimes, oh, ça, c'est malheureux. Ah, par exemple, ah, ça, alors, c'est un comble. Non, mais écoutez ce que dit la météo. Oh, la météo. Les perturbations qui déterminent le temps sur l'Europe occidentale tendent à s'atténuer. On prévoit une très prochaine amélioration. Oh, mais de qui se moque-t-on? Non, mais regardez dehors! Comme amélioration, en effet! Voulez-vous que je vous dise? Les gens de la météo, tous des incapables, directeur en tête. Entièrement de votre avis! Tenez, quand j'étais gamin, j'avais une grenouille dans un bocal. Eh ben, avec sa petite échelle, elle se trompait moins souvent que tous ces fumistes de la météo! Oh, ça sûrement! Eh bien, mon vieux Labrousse, si les oreilles ne vous sifflent pas... Décidément, les Français, à se moquer de tout, sont impitoyables envers eux-mêmes, oui. Mais ils n'admettraient pas qu'un étranger leur serve le dixième de ce que je viens d'entendre. Quand je raconterai ça à la brousse, il rirait bien. Quittons le compartiment du professeur Mortimer et devançons-le à la gare de Versailles-Rive-Gauche. Nous sommes maintenant dans le hall. Alors Ernest, quoi de neuf à Jouy? Plus beau qu'ici? Ah, tu parles! Si j'avais pu, comment je serais resté chez moi, les pieds dans mes pantoufles et à regarder la télé? Mais le professeur Labrousse m'a envoyé avec mon taxi pour cueillir un de ses amis, un Anglais, alors moi... Hein? T'as bien dit Labrousse? Oui, le professeur Labrousse. Mais c'est le directeur de la météo. Oh, je sais, figure-toi. Eh ben, puisque tu le connais si bien, tu lui feras les compliments d'Émile, receveur à Versailles, rive gauche. Quoi? Parce que alors, pardon, tu m'excuses. Alors quoi, et alors? T'es comme les gros malins du patelin qui en veulent du temps qu'il fait? Après tout, il fabrique pas les saisons, cet homme-là, non? Oh, bon, d'accord, t'as raison. C'est vrai, ça, après tout. Oui, oh, excuse-moi, hein, voilà le 18h55. Eh, mais je t'accompagne, mon client doit être dedans. Oh, du don, ce monde. Ah oui, mais remarque, je suis tranquille pour l'anglish. Il a toujours la pipe à la bouche, même quand elle est vide. Et il porte un collier de barbe. Alors, tiens, c'est lui. Ouh. Ah, ben non, mais j'en suis sûr. Bon, ben alors, je te laisse, hein. Salut, Ernest. Salut, Émile. Hop! Hop! S'il vous plaît, monsieur. Quoi? C'est à moi que vous parlez? Oui, faites excuse, mais vous êtes le professeur Mortimer, sans doute. That's right. Moi, je suis Ernest. Le professeur Labrousse m'a envoyé vous chercher parce que sa voiture est en panne. Alors, si vous voulez bien me suivre. Oh, all right. Allons-y, Ernest. Mon taxi est juste devant la gare. Well. Alors, comment va le professeur Labrousse? Très occupé, sans doute. Ah, plutôt, monsieur, oui.
Et même tracassé. Comment tracassé? Ah ben oui, je dis bien, tracassé. Pensez, il peut pas faire un port de chez lui sans être accroché par Pierre ou Paul. Alors, monsieur le professeur, ça va bientôt changer, ce temps. Ou le soleil, c'est-il pour demain? Ou alors... Ben dites donc, avec un temps comme ça, on va se transformer en grenouille, quoi, enfin... Comme s'il y pouvait quelque chose, le pauvre. Eh oui, je vois. Mais que voulez-vous, Ernest? Les gens cherchent toujours des responsables à leurs ennuis. Faut dire que ce déluge, hein, ça met pas de bonne humeur. Ah, mais c'est vrai, regardez. C'est pas possible, on a ouvert les vannes, là-haut. Ben, qu'est-ce qu'ils ont encore, ces essuie-glaces? Oh, cochonnerie, alors! Oui, hein, j'ai l'impression qu'ils vont nous laisser tomber. Pensez-vous? Ah, ben, c'est bien. Ah, oui. Ah ben, ouvre la frais. Va falloir ouvrir l'œil. Où sommes-nous ici? Oh, pas loin du croisement de la route de Saint-Cyr. Oh, c'est pas possible, non. Même à 30 à l'heure, on n'y voit rien. Ouais, soyez prudents. Hein. Oh, c'est plus très loin maintenant. Attention, là, à droite! Eh, on a eu chaud. Oui, c'est un bus américain. Je l'ai vu trop tard. Heureusement qu'il a de bons freins. You damn fool! Quoi? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il n'a pas l'air très content. Say about your plastered. Ah, ouais, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pas à peine d'en faire une histoire, non? On s'est pas rencontrés, alors. Scram! Mais je vous ai pas vu, moi, avec cette pluie. Et puis, là, que je vous explique, mes essuie-glaces, ils marchent mal. Les essuie-glaces, les petits balais, quoi, ce qui fait flic-flac, flic. Ah, il comprend rien. You silly ass! Quoi? De quoi? Conduisez plutôt une brouette. Quoi? So long! Superman! Super... Non, mais toi-même, les patates! Mais ouais, ça, ces amerlocs, hein, ils se croient... Oh, pardon! Oh, pardon, monsieur, non, c'est pas ce que je voulais dire, Non, non, vous excusez pas, mon ami, y a pas de mal. Non, mais vraiment, hein? Vraiment, je suis anglais. Anglais? Ah bah, c'est vrai, alors... Ah, mais quand même! Après cet incident, le taxi d'Ernest reprend la route de Jouy-en-Josas. Mais bientôt, les essuie-glaces refusent de fonctionner et la pluie tombe toujours à verse. Alors cette fois, c'est fini. Hein? Impossible de continuer. Il faut que je vois ce qui cloche. Hey, vous avez raison. Ce serait très imprudent de continuer ainsi. Là, 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 là. Qu'est-ce qu'il y a? C'est le relais? Non, la génératrice grillée. Et là, rien à faire pour réparer. Hein. Après les essuie-glaces, il y a des chances pour que le klaxon et les phares nous lâchent aussi. Oh. Ah, bon sang, quelle guigne. Et puis c'est la nuit qui commence à tomber. Tiens, voilà une camionnette. Une voiture des postes, je crois. Ah, oh, bah alors on est sauvés. Pas de doute, c'est le grand Louis. Ah, je me disais bien que je connaissais cette bagnole. T'as des ennuis, Ernest? Ah, oh, bah plutôt, oui. Dis donc, ma génératrice. Cramé. Bah pleure pas, mon vieux, on va arranger ça. Tu vas te placer derrière mon fourgon, hein? Et oui. Me suivre bien sagement, les yeux fixés sur mes feux rouges. D'accord? D'accord, Louis, t'es un frère. Allons-y, monsieur, je crois que ça va aller. All right. Ça va pour toi, Ernest? Ça va. Tu peux même aller un peu plus vite. Ouf, eh bien, je crois que nous avons eu de la chance d'avoir rencontré votre ami Louis. Eh ben, sinon, il n'y avait qu'une solution, chercher à pied un garagiste pour nous dépanner. Mais à cette heure et avec ce temps-là, hein? Enfin, tout va bien, on sera seulement un peu en retard. Ouais, mais l'important, c'est d'arriver. Oh, mais avec les feux rouges de Louis sous le nez, il n'y a plus de danger maintenant. Dans la nuit noire, les deux voitures roulent à 20 à l'heure. Bientôt, les phares d'Ernest deviennent à peu près inutiles. Tout à coup, un peu avant Buc, le sol se dérobe sous les roues du taxi. Qu'est-ce que c'est? Bon sang! Mais regardez, des travaux non signalés en plein virage, il y a de l'abus. En effet, je comprends pas. Et avant qu'on soit sorti de cette mélasse, Louis aura filé. Non, vous en avez pas. Bah oui, mais... D'ailleurs, tenez, regardez ces deux feux rouges là-bas, hein? Votre ami Louis nous attend. Oh, le brave petit. Oh, il a dû nous voir dans son rétroviseur. Bon, ben, je vais essayer de regagner la route. Yes.
Hurrah, ça y est. Oui, ça y est. Alors doucement, nous approchons de l'arrière du fourgon. Ah, nom d'un chien. Damn. Ah, les lanternes sont celles du chantier. Ah, j'aurais pourtant juré. Eh oui, monsieur, moi aussi. Ah, misère, et Louis a filé maintenant. Eh ben, on est dans un beau pétrin. Bon, nous allons tenter de nous en sortir tout seuls. Comment? Si, voilà mon idée. D'abord, regagner la chaussée. Puis nous baisserons les glaces et nous surveillons tous deux la route par la portière. Oui. En allant au pas, il y a peu de risques. Puis je crois qu'il n'y a pas d'autre solution. Oui. Eh bien entendu, monsieur le professeur, allons-y. De son côté, Louis ne s'est aperçu de rien et a continué sa route. Il va maintenant aborder un virage. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bagnole américaine arrêtée, et en plein tournant encore. Du poupel, gars. Je vais lui dire deux mots, moi. Dis donc, mon gars, c'est comme ça qu'on provoque des accidents? Un virage, c'est pas un parking? Bah, shut up! Comment? Beat it, I got away, my guy! De quoi? On insulte les honnêtes gens à présent? Chauffeur! Peau rouge! Laisse tomber, Charquet. Monsieur a raison. Mais comment que j'ai raison? Faut pas vous mettre en colère. Mon ami est un peu nerveux. C'est toujours comme ça le soir, jusqu'à ce qu'il prenne son tilleul. Mais vous pouvez repartir. De notre côté, juste un petit truc à voir dans le phare droit et on rentre au bercail. Allez, bonsoir, jeune homme. Soir. T'es dingue, dit de jouer les casseurs avec le premier venu. Et qui était dans son droit encore. Ah oui, bon, ça va, j'ai eu tort. On te l'a déjà dit, Charquet. Dans notre business, il suffit pas d'avoir une mâchoire en acier et des poings en béton. Il faut aussi que ça fonctionne bien ici dans la soupente. Ah, n'insiste pas, Freddy. Tac. Mais c'est seulement pour te rappeler qu'on a intérêt à pas attirer l'attention sur soi quand on a envoyé dinguer une 4 chevaux en plein Paris. Allez, monte. Oh, on dirait une voiture derrière nous. J'aime pas ça. Allez, filons. Là-bas, monsieur, les feux rouges. C'est Louis. On l'a rattrapé. Mais qu'est-ce qu'il lui prend? On dirait qu'il accélère. J'ai l'impression que les feux rouges de notre ami étaient moins écartés. Ah non, c'est lui. Alors, ça peut être que lui. Hé, hey, Louis! Louis, c'est nous! Moins vite, hein! Oh, oh! Il est piqué, ma parole. Accélérez un peu. Ah, je comprends plus, moi. J'ai l'impression qu'il veut nous semer. C'est curieux, en effet. Ah bah tant pis, je vais essayer de le rejoindre. Well, je surveille le côté droit de la route. Let's go. Sacré Louis. Il veut faire le malin avec sa Peugeot. Ce qui m'étonne, c'est qu'il se montre si imprudent tout à coup. Ouais, là, vous avez raison. Ça y ressemble pas. Hein. Enfin, tant qu'on verra ses feux rouges. Attention, il vient de tourner à droite. Je vois plus rien. Ah oui, mais je connais ce virage. Comprenez-vous, monsieur? Stop devant! Oh, le maudit animal! Bon sang, mais... Allez, redressez, vite! Je peux plus, là. Oh, il y a de l'eau! Freinez! Freinez! Il était moins humide. Oui, je crois. Ah, j'ai manqué de sang-froid. Faut m'excuser, monsieur le professeur. En même temps que j'ai vu bondir la silhouette, vous avez crié attention, alors j'ai donné un grand coup de volant à droite et hop. Et hop. Oui, une fois sur la pente, pas question de s'arrêter. Enfin, heureusement, c'était pas trop raide. Et quand j'ai donné du nez dans la flotte, ça m'a aidé à stopper mon taxi. Mais maintenant, nous voulons propre, hein. Et tout ça, c'est la faute de sale cabot. Enfin, qu'est-ce qui vient sur la route à cette heure-là, hein? Et puis Louis qui nous lâche, les essuie-glaces, le temps, les... Ah, tout ça, ça m'a rendu nerveux, quoi. Oui, oui, je comprends très bien. Mais vous excusez pas, seulement essayons d'y voir clair maintenant. Oui. Bon, puisque nous avons aperçu un chien, cela veut dire que nous ne sommes pas loin d'une habitation, donc de gens qui pourront nous venir en aide. Ah, bien raisonné, monsieur. Alors moi, je vais vous donner aussi ma petite idée. Eh. Voilà. Oh non, mais c'est pas vrai, quel temps, mais on se croirait à la fin du monde. Pensez-vous, non. Oh, quoi? Écoutez. Quoi? Mais on dirait une chute d'eau par là. Une chute? Hein? Ah, oui, c'est possible, oui. Bah alors, ma petite idée, hein. Oui. Je vais remonter sur la route et explorer les environs. Seulement, pour ne pas nous perdre, je demanderai de rester près du taxi et donner de temps en temps un petit coup de klaxon. D'accord? All right. Allez-y, Ernest, et bonne chance. Merci.
Mais heureusement que j'ai ma lampe torche, hein, parce qu'avec ce sacré temps... Oui, moi je suis moins bien partagé que vous, car vos phares pâlissent à vue d'œil, hein. Oh, vous inquiétez pas, la voiture est bien calée, elle glissera plus. Ça vaut mieux remarquer, hein, parce qu'avec ce courant... Mais en attendant, mettez-vous à l'abri à l'intérieur. Oh, je suis déjà trempé comme une soupe, mais vous en faites pas. À tout à l'heure. Oh, à tout de suite. Ah, ça y est! Quoi donc? Les empreintes de la Peugeot de Louis, je les vois. Mais il a quitté la Nationale, hein? On dirait qu'il a pris un chemin de terre. J'y comprends rien, alors, rien. Enfin, je vais suivre ses traces, hein? Soyez prudent. Oh, rien à craindre. Oh! N'oubliez pas de klaxonner. Oui, compris. Ernest a raison, ce temps est vraiment apocalyptique. Oh, j'ai jamais vu ça. Ah, le petit coup de klaxon. Oh, damn, avec ce vent, s'il s'éloigne, il ne m'entendra plus. C'est la batterie qui faiblit, même. Et puis les phares, c'est de véritables lumignons. Quelle journée. Ce pauvre Labrousse qui doit se demander pourquoi je n'arrive pas. Oui, oh, c'est inutile de continuer maintenant. Ernest ne peut plus entendre ce gargouillis. What? Oh, quel cri étrange. On aurait dit un cri de douleur. Oh, Golden, la lumière finie maintenant. Me voilà dans le noir. Oh, ce cri dans la nuit, le vent, la pluie, la silhouette de tout à l'heure. Tout ce qu'il faut pour jouer le chien de Baskerville. Que faire? Rester ici? Eh oui, mais mon klaxon ne peut plus servir de repère à Ernest, alors. Qu'est-ce que c'est que cette odeur? On dirait... Mais oui, c'est l'odeur de l'ozone, ça. Ici, c'est bizarre, par exemple. Ah, un chien. Ernest a dû trouver du secours. Hoi! Ernest, par ici! Hoi! Ce curieux, on dirait qu'il s'éloigne. Oh! Par ici, Ernest, je suis là! C'est Mortimer! Avec ce vent, ils ne parviennent plus à me situer. Well, je vais aller vers eux. Oh! Attendez-moi! Hoi! Oh, le berge! Il faut que je... Oh, je m'enfonce. Mes vêtements sont alourdis. À cette branche-là, si je pouvais... Oh! Manqué! Oh, puis le courant! Le courant qui me... Oh! À moi! À moi! Oh, la chute d'eau! Au secours! Help! Ernest! Ernest! Gêné par ses vêtements, Mortimer nage contre le courant, mais en vain. Irrésistiblement, il est emporté vers la chute d'eau dont le grondement s'amplifie. À moi, Ernest! Au secours! À moi! Par ici, la rivière! Venez vite! Oh, malheur, une vanne! Je suis perdu! Oh, oh quel plongeon! Je peux plus! À bout de souffle, Mortimer tente encore de remonter le courant, mais il est entraîné par la chute d'eau et il doit s'avouer vaincu. Tout à coup, il voit surgir un haut mur percé d'un tunnel dans lequel s'engouffrent les eaux de l'étang. Le niveau de l'eau atteint presque le sommet du tunnel et pour ne pas être assommé, Mortimer, à bout de force, doit plonger. Il disparaît bientôt dans le gouffre noir. Quel cauchemar! Oh, enfin, cette fois... Ah, la route, là-haut.
suis gelé. Alors, encore un effort. Un mur éboulé. Well. Oh. Enfin, une route. Et seulement comment me repérer maintenant? On ne voit pas plus que dans le fog londonien. Et puis alors, où aller? À droite, à gauche? Oh, et partons au hasard, nous verrons bien. By Jove, une voiture! Eh oui, pas de doute, elle vient dans ma direction. Eh bien, vive l'autostop. Mais pour pas le rater, je vais me mettre au milieu de la route. Arrêtez! Excusez-moi, mais je me suis égaré et j'ai fait une chute dans l'étang par là. Vous n'iriez pas du côté de Jouy par hasard? Ah ben, ça tombe à pic, je passe par là. Oh, well! Hé, hey, montez donc, monsieur. Oh, merci. Merci infiniment, mais je vous préviens, je vais tremper votre siège. Aucune importance. Alors comme ça, vous êtes tombé dans les temps. Oui, figurez-vous que nous avons eu un accident de voiture. Nous avons même failli. Et Mortimer raconte son aventure. 20 minutes plus tard, il est enfin devant le professeur Labrousse. Oh, grand Dieu, vous enfin, mon cher ami. Venez vite vous mettre à l'abri. Mais dites-moi, que vous est-il arrivé, vos vêtements sont... Oui, j'ai été retardé par un léger accident, je vous expliquerai. Oh, je suis désolé, mais nous allons arranger tout ça. D'abord, un bon bain. Ah oui, c'est ça, un bon bain, et bien chaud cette fois. Catherine remettra vos vêtements en état. Ma garde-robe est à votre disposition, et ma maison est la vôtre. Nous y sommes. Merci, mon ami. Je reconnais bien là l'hospitalité française. Catherine! Catherine! Monsieur le professeur Mortimer est arrivé, enfin! Voilà, monsieur! Ah, comme il fait bon chez vous! Et j'ai fait préparer un petit dîner à la française, je ne vous dis que ça! Ah, je vois que vous connaissez mes faiblesses, hein? Une heure plus tard, le dîner est terminé, Labrousse et Mortimer sont passés dans la bibliothèque pour prendre le café. Ah, merci, Catherine. Juste le fond de la tasse. Ah, vous avez tort, c'est un véritable mocha. Catherine le réussit toujours parfaitement. Et votre dîner était un chef-d'œuvre. Vous êtes un véritable cordon bleu. Merci, monsieur. Si monsieur a besoin de quoi que ce soit... Entendu, Catherine, merci. Alors... Qu'y a-t-il ? Mon cher ami, je ne me serais jamais permis de vous distraire de vos occupations si je n'avais appris que vous étiez de passage à Paris. Et je vous ai prié de venir ici plutôt qu'au Quai Branly parce que je pense que notre entretien doit avoir un caractère strictement privé, confidentiel. Oui, je vois. Et je pense même connaître le motif de vos préoccupations. Vraiment ? Oui. Je suis sûr que vous voulez connaître mon avis sur les extraordinaires fluctuations météorologiques actuelles. Elles doivent vous valoir pas mal d'ennuis, hein? En effet. Mais comment avez-vous pu... Oh, mon cher Labrousse, c'est tout simple. Je connais vos fonctions et vos responsabilités, par conséquent aussi vos problèmes. Ce sont également les miens, car ces bouleversements atmosphériques préoccupent notre gouvernement comme le vôtre. J'ai été chargé d'en découvrir coûte que coûte les causes. Ah, je n'exagérerai donc pas l'importance de cette détérioration des saisons. Hélas, et comme chez vous, ces anomalies climatiques pourraient avoir de graves conséquences économiques et politiques. Je suis heureux de vous voir partager ma perplexité, parce que, à ne vous rien cacher... Ma situation devient intenable. Intenable? Comment ça, expliquez-vous? Eh oui, si l'on ne peut exiger que la météo nationale gouverne le temps, on a le droit d'être agacé quand elle se trompe à tout coup dans ses prévisions. Ah oui, les gens bavardent, rouspètent. De l'autre côté du channel, les réactions sont à peu près les mêmes.
On croyait jusqu'à présent que les phénomènes météorologiques obéissent à des lois immuables depuis des millénaires. Or, depuis quelque temps, nous sommes en plein chaos. Permettez, c'est l'heure du journal télévisé. Oui, je vous en prie. Peut-être vais-je vous paraître naïf, mais je me demande parfois, tout comme l'homme de la rue, si les expériences atomiques ne sont pas responsables. Oh, à vrai dire, jusqu'ici, on n'a pas encore pu délimiter le vrai du faux. Et voilà les tristes images que nos caméramens ont rapportées de Saint-Michel-de-Maurienne. La voie ferrée Paris-Modane s'est affaissée au passage du rapide. Oh. Là encore, ce sont les inondations qui sont responsables. La voie a été minée par les eaux de l'Arc en crue. Vous voyez les conséquences ? Deux wagons presque entièrement immergés, les autres couchés sur le ballast. Des victimes ? Quelques victimes, mais c'est encore trop. Oui. Mais les pays voisins ne sont pas épargnés. Dans la nuit de samedi à dimanche, les côtes belges, hollandaises et allemandes ont été ravagées par de véritables raz-de-marée. Ruines, dévastation, deuil, là encore, hélas. C'est effrayant. En Italie, le Po est sorti de son lit et la digue de la Vendamine... Vous permettez, je vous en prie. Je vais baisser un peu, hein. Brèche. Allô ? Et des ferles sur la plaine de la rue. Oui, lui-même. Comment ? Certains villages ont été submergés. Mais oui, il est arrivé depuis de bonnes heures. Ils sont ravitaillés par hélicoptère. Non, leur voiture s'était embourbée, je ne sais où. En Europe centrale, la situation s'est encore... C'est bizarre. C'est ainsi que... Oui, tenez-moi au courant, surtout. Merci. Bonsoir. Où l'eau atteint le premier étage. Il n'y a rien de grave, j'espère. Vous jugerez. Le garagiste vient de me dire que le chauffeur Ernest n'est toujours pas rentré. Ernest est pas rentré. Oh, j'aime pas beaucoup ça, moi. Il est vrai que par un temps pareil, il a pu s'égarer. J'espère qu'il ne va plus tarder maintenant. Le garagiste nous tiendra au courant. Ah, parfait. Là encore, c'est un raz-de-marée qui a balayé le littoral, endommageant les installations portuaires. Ah, vous voyez, les catastrophes se succèdent un peu partout. Arrachant les arbres. Défonçant les digues et les jetées. Si au moins je savais à quel endroit l'accident s'est produit. Ne vous tracassez pas trop. Ernest n'est plus un enfant. Partout, la pluie continue. Une pluie torrentielle. Des visions de cauchemar. Oui. C'est d'autant plus décourageant que nous sommes impuissants devant l'ampleur de ces catastrophes. Signalons enfin qu'un instituteur de l'Aude affirme avoir vu dans le ciel une étrange boule de feu. Il l'a même photographiée. Notre correspondant local a réussi à se procurer ce document que nous vous soumettons avec les réserves d'usage, bien entendu. Ah, selon ce témoin, c'est curieux, ça, la brousse. Regardez. Oui, mais on pouvait s'y attendre. Ce sont les hallucinations qui commencent. C'est comme pour les soucoupes volantes. Oui, c'est inévitable. L'ennui, c'est que nous ne pouvons toujours pas déceler le vrai du faux. Mais, voyez-vous, mon cher Labrousse, cette dernière série de cataclysmes me confirme dans une opinion dont je n'ai encore fait part à personne. Vous m'intriguez. Oui, mais vous l'avez sans doute remarqué comme moi. Seule l'Europe occidentale est touchée. Que voulez-vous dire ? Que géographiquement, la partie qui subit les conséquences des conditions atmosphériques est assez nettement délimitée. Comme si cette terrible et déroutante perturbation avait un caractère voulu. Un caractère voulu ? Eh oui. Mais voyons, c'est impossible. Remarquez, ce n'est là qu'une idée saugrenue, peut-être, mais que je propose tout de même à votre attention de spécialiste. Ah, ça, mais j'ai l'impression que... Non, ne répondez pas maintenant. Mais examinez cette idée calmement et allons dormir. La nuit porte conseil. Votre chambre est prête. Mais vous savez que vos propos risquent de me faire passer une nuit blanche. Eh bien, demain, nous confronterons nos déductions. Enfin, je l'espère. Quel diable d'homme vous faites ? Vous verrez, Labrousse. Vous verrez. Si ce que je crains se confirme, nous sommes à la veille de catastrophes pires que celles que nous vivons depuis quelque temps. Pire ? Oh, infiniment pire. Effrayante. Comme le professeur pénètre dans la pièce, une violente bourrasque ouvre brutalement la fenêtre, tandis qu'une étrange lueur envahit la chambre. Regardez, Mortimer, regardez! Cette boule de feu dans le ciel! C'est extraordinaire! Ça y est, elle a disparu.
exemple. Ça, alors. Alors, mon cher Labousse, que diagnostiquez-vous? Hallucination ou... Je ne sais plus. C'est ahurissant. Mais décidément, je crois qu'un peu de repos ne nous fera pas de mal. Vous avez vu, exactement semblable à la photo que nous avons vue à la TV. Oui, oui. C'est troublant. Très troublant. Fatigués nerveusement par les événements de ces dernières heures, les deux savants se couchent et cherchent le sommeil. La nuit passe, reposante, surtout pour Mortimer, et le lendemain matin, nous assistons à son petit lever. Ah, la pluie a cessé, ça nous changera un peu. Ce n'est pas encore le printemps, mais enfin, c'est moins mal. Je parie que ce brave Labrousse n'a pas fermé l'œil de la nuit. Entrez, mon cher, entrez. Votre thé est prêt. Merci. Alors, Labrousse, j'espère que le petit phénomène météorique d'hier soir ne vous a pas empêché de dormir. Ma foi, votre bizarre suggestion aurait bien suffi à elle seule à me tenir éveillé. Ah, je suis désolé. Et je peux connaître le résultat de vos méditations nocturnes? Eh bien, venant d'un autre que vous, j'aurais considéré pareille idée comme une simple fumisterie. Oh. Mais vous n'avez rien d'un petit sauteur. Ah, thank you. Tiens, qui peut venir à cette heure? Facteur, peut-être. Non, il est déjà passé. Oh, eh bien, nous verrons bien. Alors, vos déductions à propos de ma théorie? Eh bien, je crois qu'effectivement, vous avez raison. Ah. Monsieur. Mais qu'est-ce que c'est, Catherine? Les gendarmes, monsieur. Ils demandent à vous parler. Ah, bien. Faites-les entrer, Catherine. Bien, monsieur. Entrez, messieurs. Pourvu qu'ils ne nous apportent pas une mauvaise nouvelle. Bonjour, monsieur le professeur. Monsieur. Monsieur. Bonjour, brigadier. Que puis-je faire pour vous? Connaissez-vous un certain Philippe Mortimer, sujet anglais? Bien sûr, c'est monsieur, ici présent, un ami. Que lui voulez-vous? Veuillez me donner votre passeport, monsieur. Mon passeport? Oui. Volontiers, voici. Merci. Oui, Mortimer, Philippe, oui, bon, profession, parfait. Tenez, Jusserand, vérifiez votre tour. À vos ordres, brigadier. Il est un peu détrempé, je vous prie de m'en excuser, mais je l'avais sur moi hier soir et j'ai pris un bain forcé. Ouais, dans les étangs de la jeunesse, peut-être. Ah, ça? Oui. Reconnaissez-vous avoir pris le taxi 6125 BD78 piloté par Ernest Brisson? Écoutez, là, vous m'en demandez beaucoup, brigadier, mais chaque fois que l'on prend un taxi, je ne pense pas qu'on se montre trop négligent en ne relevant pas son numéro. Par contre, le chauffeur se prénomme bien Ernest. Oui, brigadier, Ernest Brisson, que j'avais envoyé à Versailles pour prendre mon ami. Oui. À quelle heure êtes-vous arrivé ici, chez le professeur Labrousse? Il devait être... Je vous en prie, monsieur le professeur. Oui, il devait être environ 21h45. Mais enfin, pouvez-vous me dire... Un instant. Voulez-vous me dire ce que vous avez fait entre 19h et 21h45? Enfin, brigadier, que signifie... Je vous écoute, monsieur Mortimer. Soit. Avec Ernest, nous avons pris la direction de Jouy-en-Josas. Peu après, à la suite d'ennuis de génératrice, les essuie-glaces se sont calés et les phares ont flanché. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Et Ernest est alors parti chercher du secours. Seul? Non, oui, seul. Seulement, comme il tardait à revenir, je suis allé au-devant de lui. Je suis tombé à l'eau et le courant m'a entraîné. Enfin, j'ai pu regagner la terre ferme et retrouver une route, mais j'étais complètement perdu. J'ai stoppé un camion qui m'a recueilli et nous étions alors au loge en Zosas. Et comment le savez-vous, puisque vous venez de me dire que vous étiez perdu? Je l'ai demandé au chauffeur du camion, bien sûr. Oui, oui. Bon. Et après? Après, c'est tout. Le camion m'a déposé devant la porte du professeur Labrousse. Et maintenant, brigadier, consentirez-vous à nous expliquer le motif de cet interrogatoire?
Le motif, monsieur le professeur, est que le taxi a été retrouvé ce matin au fond des étangs de la jeunesse. Mon Dieu, Ernest. Le chauffeur. Une équipe s'emploie à sonder les temps, mais jusqu'à présent, aucune trace de votre chauffeur. Le pauvre Ernest serait-il tombé à l'eau? La bosse, mais c'est impossible. Sa voiture était arrêtée au bord de l'étang, bien calée. Comment expliquer qu'elle se trouve maintenant immergée? C'est précisément ce que l'enquête devrait établir. En attendant, je conserve votre passeport et je vous prie de ne pas vous éloigner d'ici. Comment, brigadier? Dois-je comprendre que mon ami est suspect? Mais c'est absurde, voyons. Je réponds de lui. N'insistez pas, la bosse. Le brigadier fait son devoir. Mais enfin, messieurs, puis-je au moins savoir où en est l'enquête? Tout ce que je puis vous dire, c'est que le parquet de Versailles est sur les lieux en ce moment. Voilà. Excusez-moi. Au revoir, messieurs. Messieurs. Au revoir, professeur. Ah, c'est un comble. Mais ça ne se passera pas comme ça, Mortimer, je vous l'affirme. Je vais immédiatement téléphoner au ministre. C'est un ami personnel. Non, n'en faites rien, je vous prie. Il est beaucoup plus urgent que je parle au juge d'instruction. Avez-vous votre voiture? Elle est chez le garagiste, mais elle doit être réparée maintenant. Je m'habille et nous partons. Bon, d'accord. Cette affaire commence à me passionner. Malgré leur impatience, les deux hommes n'arrivent en vue des étangs de la jeunesse que trois quarts d'heure plus tard. Oh, quelle route! En temps normal, ce n'est déjà qu'un chemin de terre, mais avec ces pluies, c'est devenu un véritable bourbier. Tiens, là-bas, il y a du monde. Ben, nous allons nous garer ici. Tenez, vous voyez, il y a un camion de grue qui sort la voiture. Attention, vous mettez les pieds. Quel cloaque! C'est curieux, la brousse. Quoi donc, mon ami? J'aurais juré que la berge était plus abrupte que ça. Oh, vous savez, la nuit, tout semble différent. Ah, un gendarme. Hey, gendarme! Ah, monsieur le professeur. Bonjour. Bonjour. Pourrions-nous parler au juge d'instruction? Je regrette, tous ces messieurs viennent de repartir pour Versailles. Ah. God damn it! Je regrette. Voulez-vous que je vous conduise là-bas? Réflexion faite, non. Pas pour l'instant, du moins. J'ai mieux à faire ici, je crois. Ah, et quoi donc? Mais j'aimerais, par exemple, examiner les environs et surtout retrouver le déversoir et le conduit par lequel j'ai été entraîné. Eh bien, je vous suis. Mortimer inspecte la rive avec attention, mais il semble de plus en plus déconcerté. Enfin, les deux hommes arrivent dans un petit sous-bois en bordure de l'étang. Non. Décidément, je ne reconnais rien. Enfin, je ne reconnais rien excepté le taxi de ce pauvre Ernest. Ah, c'est à désespérer. Mais marchons encore? Tiens, et une voiture dans le virage. Et en plein milieu du chemin. Ah, mais ne manque pas de toupet. Et en plus, c'est un sens unique. Je me demande qui ça peut être. Les officiels sont repartis. Et de toute façon, ils ne circulent pas en américaine. Vous avez raison. Celle-ci est une Ford, dernier modèle. Oui, une custom, oui. Bel engin, mais bien encombrant. Un de mes voisins de Paris en possède une semblable. Et quel problème pour se garer. Le propriétaire de celle-ci est du genre casse-cou. Voyez dans quel état il a mis sa calandre et son phare. Oh, la brousse! Qu'avez-vous? 28-78-CL-75. 28-78-CL-75, ce numéro. Eh bien? Il se termine comme celui de la custom qui a provoqué l'accident rue Royale hier soir. Je vous ai raconté. Vous êtes sûr? Oh, certain, la brousse, certain. J'ai l'impression que la région est curieusement fréquentée. Oh, attention, Mortimer! Ah! Attention, Mortimer, attention! Allons, arrière, toi, vas-tu, sale bête! Attendez, je vais essayer avec mon parapluie. C'est un drôle de bouclier, hein? Oui, ce n'est qu'un parapluie, mais voyez, le chien hésite maintenant. Nous allons marcher reculons jusqu'à ce qu'il consente à nous lâcher. Ça va être du sport sur ce chemin boueux. Sans doute, mon ami, mais il importe de ne pas tourner le dos à ce monstre. Allons. Un dogue de Bordeaux, dirait-on, et mal embouché. Non, mais regardez ses dents et ses yeux. My Lord, il a dû être dressé à chasser l'homme. Et il nous suit. Ennis! Ah, enfin. Ici, Ennis, couchez! Oh, dis donc, vous pourriez pas tenir votre fauve en laisse, non? Et vous? Vous pourriez pas aller rôder ailleurs, non? Ah, oh, mon ami, changez de ton, s'il vous plaît. Comment vous laissez en liberté cet animal capable d'égorger des promeneurs et vous... Ah, ça va! Et si nous portions plainte à la police, hein? À la police? Laissez-moi rire. Oui, vous ririez peut-être un peu moins si elle vous demandait comment vous avez cabossé si joliment la vente de cette voiture américaine, hein? Qu'est-ce que vous dites?
Un sale mouchard. Je vais t'apprendre à te mêler de ce qui te regarde pas. Bon, bah, sois des gardes, mon Timon. Un poignard. Eh bien, allez, essayez d'en approcher, voyou. Moi, je vous enseignerai les beautés de la boxe anglaise. Allez, venez. Ah, tu l'auras cherché. Bon. Bon, vous avez de la chance. Enfin, ça suffit. Mais venez plus ennuyer les honnêtes gens, hein. Ça vaudra mieux pour vous. Ne manquez pas d'un certain humour. Allez, venez, Mortimer. Cet homme est un sauvage de la pire espèce. Décidément, depuis mon arrivée, il se passe des choses bizarres. Oui, c'est vrai. Par exemple, que pensez-vous de ce coup de sifflet qui a stoppé net notre agresseur? Bien, je pense que cet endroit est un peu trop fréquenté pour poursuivre notre enquête. Allez, retournons à la voiture. Quelques minutes plus tard, nos deux amis ont regagné la traction avant du professeur Labrousse. Cette route est à sens unique. Nous allons rentrer par où, au Buc et les bois de la jeunesse. All right. Mais quel damné chemin. Cet endroit, c'est sinistre. Oh, vous ne diriez pas ça à la belle saison. C'est alors une vraie cohue. Les Parisiens qui viennent s'oxygéner un peu, les pique-niqueurs, les amoureux, les troupes de scouts, enfin, tous les amateurs de bon air et de verdure. Oui, je vois. Quant à ce chemin, même en ce moment, il a un avantage. Il nous conduit tout droit aux loges en Josas où le camion vous a recueilli après votre bain nocturne. Eh, mais c'est l'homme au chien là-bas. Et toujours avec son cerbère. Oui, oui, il n'y a pas de doute, mais il est à pied. La Ford, alors, c'est curieux, ça. Nous allons le dépasser. Il nous a vus, et son chien aussi, on dirait. Pas aimable, ces deux-là, non? Cette fois, il le tenait en laisse, c'est pas trop tôt. On n'a pas idée de lâcher une bête de cette humeur. Mais vous avez l'air songeur. À quoi pensez-vous donc? Je me demande depuis tout à l'heure si ce chien n'est pas celui dont j'ai entendu la voix cette nuit, après le départ d'Ernest. Ah, vous croyez? C'était les mêmes aboiements et... Enfin, autant que j'ai pu en juger, le même timbre. Oui. Bon, mais après tout, qu'est-ce que ça prouve? Oh, c'est rien, évidemment. Enfin, rien encore. Tiens, voici l'entrée des loges où vous avez stoppé votre camion. Really, c'est drôle, mais je n'avais pas l'impression d'avoir fait un si long chemin depuis les étangs. Dites-moi à propos de votre voisin de Paris. Celui qui possède une Ford? Oui. Est-ce qu'il a un chien? Non, du moins pas à ma connaissance. Ah, bon. Mais qu'y a-t-il, mon bon? J'espère que vous n'allez pas faire de rapprochement entre votre aventure et un monsieur inconnu simplement parce qu'il possède lui aussi une grosse Ford bleue. Non, mon cher Labrousse, pas pour le moment, mais... Il y a quelque chose qui commence à se dessiner dans mon esprit. C'est encore vague, très flou. Je peux pas encore en parler, mais... Décidément, vous finirez par m'inquiéter sérieusement. J'aimerais que rien de plus grave n'augmente votre inquiétude. Bientôt, nos amis arrivent au domicile du professeur Labrousse à Jouy-en-Josas. Alors, Catherine, rien de neuf? Si, monsieur, un télégramme pour monsieur Mortimer. Ah, une convocation du juge d'instruction, sans doute. Tenez, monsieur. Thank you. By Jove! Mauvaise nouvelle? Au contraire, mon ami le capitaine Blake de l'Intelligence Service m'annonce son arrivée à Paris demain matin... et me prie de l'appeler aussitôt que possible à l'hôtel Louvois, où il doit descendre. Ah, je serais enchanté de le voir. Bien sûr. Ah, j'aimerais lui parler de tous ces ennuis qui nous détournent de nos préoccupations scientifiques. Parce que quel que soit l'objet de sa mission, je suis sûr qu'il nous aidera. Sa compétence nous sera alors très précieuse. Et... Monsieur Servi. Bravo, Catherine. Nous passons à table immédiatement. J'ai une faim de loup. Et vous, Mortimer? Ah, cette promenade au bord des étangs m'a également mis en appétit. Je suis sûr de faire honneur au menu de Catherine. Alors allons-y et oublions un peu nos ennuis. Passez donc. Je vous en prie. Pardon. Une heure passe. Une heure de détente, mais dont les agréments culinaires n'ont pas fait oublier ses soucis à Mortimer. Oh, eh bien, Catherine s'est surpassée, mon cher. Oui, seulement il faut maintenant revenir aux choses sérieuses. Pourriez-vous me prêter de vieux, solides vêtements, une paire de bottes et une carte de la région? Mais
Oui, bien sûr, si vous y tenez. J'ai un costume de chasse qui fera votre affaire. Oui. Mais qu'avez-vous manigancé, hein? Patience, Labrousse, patience. Enfin, n'oubliez pas qu'une convocation à votre nom peut arriver d'un instant à l'autre. Oh, tant pis, mon cher Labrousse. Je n'ai pas le temps d'attendre les bras croisés. J'ai l'intention d'aller là-bas, faire une petite enquête. Vous êtes toujours le même, Mortimer. Eh oui, il y a juste deux ou trois points obscurs à éclaircir. Et tous les juges d'instruction de la Terre ne m'en empêcheront pas. Comme vous voudrez, mais ne tardez pas trop. Non, rassurez-vous. D'autant plus qu'il pourrait bientôt neiger. Là, ce n'est plus l'ami qui parle maintenant, hein? C'est le météorologue. Les deux, Mortimer, les deux. Sérieusement, soyez prudent. Cette affaire s'annonce mal. Mais vous en faites pas. J'ai un peu de jugeote, l'œil vif, le jarret ferme et les poings solides. Ce sont parfois des armes bien faibles. Allons, venez que je vous donne mon costume de chasse. Let's go! Vingt minutes plus tard, Mortimer, botté et en costume de chasse, pipe à la bouche, prend d'un pas allègre la route de Buck. Good luck, professeur. Bonjour, monsieur. Tiens, monsieur Louis, par exemple. Je me disais aussi, cette silhouette, c'est le client d'Ernest. Ah, ben vous avez gagné. C'est moi qui étais dans le taxi l'autre soir. Je vous ai vu sortir de chez monsieur Labrousse. Ah. Si vous allez à Buc, je peux vous déposer. Oh, volontiers, merci. Ah, vous savez, monsieur, je suis content de vous avoir rencontré. Ah, quelle histoire! Les gendarmes m'ont tarabusté pendant plus d'une heure. Mais j'ai toujours pas compris ce qui s'est passé la fameuse nuit où je vous ai trouvé en panne d'essuie-glace. Mais vous, monsieur, vous pourriez peut-être me dire, hein? Mais oh, c'est bien simple. Nous nous sommes d'abord égarés dans un chantier pour avoir pris les deux lanternes rouges pour vos feux arrière. Ce n'est qu'en allant mettre le nez dessus que nous nous sommes aperçus de notre erreur. Ah, oui. Alors nous sommes remontés dans le taxi, nous avons roulé tant bien que mal. Puis enfin, nous avons à nouveau aperçu vos deux feux de position et nous les avons pu lâcher jusqu'au moment de l'accident. Oui. Mais de votre côté, qu'est-ce qui s'est passé? Eh ben, voilà. Je remontais la côte vers les arcades de l'Aqueduc. Oui. Quand j'ai failli me jeter sur une bagnole arrêtée en plein dans le tournant. Juste au croisement des routes de Jouy et de Toussul-Noble. Tenez, nous y arrivons, justement. Voyez, nous passons là, sous l'Aqueduc. Oui, oui. Et alors là, voilà le virage. Ah ben, en effet, oui. Alors? Ben alors, un type à tête de gangster était en train d'examiner l'avant de sa voiture. Bah, j'ai stoppé. Je lui ai fait remarquer qu'il était dans un virage dangereux. Mais alors tout ça, hein, bien poliment. Mais alors le gars se met en colère, m'a gogné en anglais. Oh, pas commode le monsieur, hein. Un autre type dans la voiture l'a calmé. Et alors moi je suis reparti. Dites-moi, comment était cette voiture? Bah, c'était une grosse tire américaine. Un de ces trucs longs comme ça et plein de chrome partout là. Oui, je vois. Alors j'ai alors repris la direction de Jouy, par l'arche de l'Aqueduc. Mais alors j'étais tellement furibard contre le gangster que quand je me suis aperçu que vous ne me suiviez plus, j'ai été à la ferme de Vautin. Ah, bon sang, mais je comprends maintenant ce qui s'est passé, alors. Vous êtes parti vers la gauche et Ernest, arrivé sur ses entrefaites, a cru vous avoir rejoint, alors qu'en réalité, c'était les feux arrière de la voiture américaine. Hein? C'est elle que nous avons suivie en direction de Toussul-Noble. Oui, peut-être bien, oui, ça doit être ça, monsieur. Mais si vous voulez descendre à Buc, hein, on est arrivé. Merci, Louis. Hein? Oh, pensez donc. Si, merci pour les renseignements et pour la promenade. Il n'y a pas de quoi, monsieur. Bon après-midi. Goodbye. Bon. Alors, maintenant, ma carte. Voilà, il faut que je reconstitue le chemin parcouru par Ernest l'autre soir. Logiquement, je devrais retrouver le chantier par là. Alors, allons-y. Quelques minutes plus tard, Mortimer est devant le chantier dans lequel s'était embourbé le taxi d'Ernest. Aucun doute. Ce sont les deux lanternes qui nous ont égarés. Bon, alors il s'agit de procéder méthodiquement. Là-bas, c'est l'Aqueduc. Il faut que j'aille jusqu'aux arcades en suivant la nationale 838. Deux cents mètres d'une marche sportive et Mortimer se trouve au pied de l'aqueduc.
Alors, d'après ce que m'a dit Louis, voici le tournant où stationnait la mystérieuse voiture. Juste en face du chemin vicinal qui conduit à Jouy. Oui, c'est ça. La dite voiture nous a entraînés par la Nationale 838 jusqu'à la hauteur de l'aérodrome de Toussus. C'est là-bas que doit se situer le fameux virage où nous avons failli verser après avoir évité le chien. Eh bien, il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est d'aller vérifier. Mortimer obstinément tente de retrouver le fil conducteur de cette mystérieuse affaire. Enfin, il arrive à l'aérodrome de Toussus-le-Noble. Bon, la Nationale 838 à gauche, je la laisse. Ici, le chemin de Guyancourt, c'est sans intérêt. Ah, voici notre route, la départementale 117, avec son angle droit. Oui, tiens, je me souviens de ce bâtiment, je l'ai aperçu dans l'obscurité. C'est ici qu'Ernest a accéléré pour attraper ce qui croyait être le fourgon postal de Louis. Alors, logiquement, c'est au bout de cette ligne droite qu'a bondi le chien. Eh ben, ça va, mon cher Mortimer. Vous êtes un excellent détective. Enfin, pour l'instant, vous êtes surtout un bon marcheur. Car, pour ce qui est des certitudes, des pièces probantes à verser au dossier, c'est plutôt maigre. Mais patience. Tiens, la route fait un coude devant cette propriété. Oh, et quel coude! Eh bien, nous l'avons échappé belle, parce qu'à la vitesse à laquelle allait Ernest pour attraper la voiture, nous aurions dû nous écraser contre cette grille. C'est curieux, mais je ne me souviens pas de ce brusque virage. Est-ce que je me serais égaré, moi? Oh, enfin, longeons toujours cette propriété, nous verrons bien. Quoi? Mais c'est le chien des étangs de la jeunesse? Que diable fait-il derrière cette grille? Oh, puis lui aussi m'a reconnu, on dirait, hein? Mon ami, j'aime bien mieux qu'il y ait cette clôture entre nous, parce que vous semblez avoir un caractère impossible. Ouais, eh ben, décidément, je lui suis très antipathique. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette femme? Et pourquoi ricane-t-elle? Oh, quelle curieuse créature! Il est méchant, hein? Et il est... Ah oui, plutôt! On dirait aussi qu'il ne vous aime pas! Pourtant, je lui ai jamais fait de mal. Vous savez à qui il appartient, ce chien? Bien sûr! Vous voyez bien, je suis pour ainsi dire leur voisine. Entre la grille et ma bicoque, il n'y a que la route, alors forcément. Et puis moi, derrière mes volets, à moitié fermés, j'observe, je lorgne. Vous lorgnez quoi? Ben... des choses. Tiens, il s'est arrêté, l'autre. Dis donc, madame, il n'y a pas beaucoup de distractions par ici, hein? Faut pas croire, monsieur. Il y a des maisons qui paraissent abandonnées et puis qui ne le sont pas. Hein? Faut pas se fier à l'eau qui dort. Vous êtes étranger, vous, hein? Je crois qu'il est difficile de le cacher, surtout quand je parle, hein? Et que venez-vous faire par ici? Oh, promenade! Je fais de la marche en fumant ma pipe. Ouais. Et votre carte, c'est pour ne pas vous égarer, sans doute. Exactement. Ouais. Moi, j'ai pas de conseils à vous donner, mais si vous m'en demandiez, je vous dirais, retournez d'où vous venez et ne faites pas aboyer les chiens sauvages. Les aboiements, ça peut être entendu comme un signal. Un signal? Ben oui, quoi. Un chien de garde. Ça aboie quand les gens approchent, dans un sens. Il signale l'arrivée des importuns. Oui. Et celui-là, ce chien de garde, il appartient à qui? Je vais vous le dire. Et puis après, vous partez, hein? Oh, Bon, eh bien, c'est promis. Allez. Eh bien, son maître, c'est l'autre. Qui l'autre? Le garde du château de Troussalet. La propriété d'en face. Troussalet? Oui, de la manufacture, quoi. Ah, parce que c'est une manufacture. Mais une manufacture de quoi? Oh! Qu'est-ce que vous avez? En face! Oh, bonne mère! Qu'est-ce qu'il y a en face? Par exemple... Mais damn it!
Cet homme qui me guettait, on aurait dit le... Mais oui, j'en suis sûr, c'est l'homme au chien. Oh, Philip, my friend, éloignons-nous. D'abord pour tenir notre promesse à cette femme, ensuite pour ne pas inquiéter le maître d'Eblis, et enfin pour rassembler mes idées, moi. Ça, j'ai l'impression que cette propriété gagnerait à être visitée. En attendant, essayons de reconstituer notre itinéraire. Ah, drôle de gens, décidément. Cette sorte de mégère. Et puis, c'est curieux, ça. Retrouver le chien, ce dog anthropophage et son maître justement sur la route que nous avons suivie l'autre soir. Oui, c'est curieux, vraiment. Mais continuons nos investigations. Ah, voilà un autre tournant. Et très dur. Bon. Mortimer avance toujours. Observe, réfléchit, consulte sa carte. 300 mètres plus loin, il arrive à l'orée des bois de la Geneste. Ah, voilà encore un autre virage, le quatrième. Ici, c'est le chemin que nous avons emprunté avec la brousse pour revenir des étangs. Bien. Seulement, ce qui m'étonne, c'est que l'autre nuit, nous n'ayons pas marqué ces quatre tournants. Et puis alors, d'ici aux étangs, il y a un bon kilomètre et demi. Donc, des arcades aux étangs, cela fait 3 kilomètres. Or, entre le moment où nous avons pris en chasse la voiture inconnue et celui du plongeon final, il ne s'est guère écoulé plus de 3 minutes. Alors? Eh bien alors, il y a toute chance pour que notre accident ne se soit pas produit aux étangs de la Geneste. Oui, il me faut retrouver l'étang où je suis tombé et découvrir ceux qui ont eu intérêt à changer le taxi d'endroit en déplaçant du même coup le lieu de l'accident. Si par hasard il s'agissait d'un acte criminel. Tout à ses réflexions, Mortimer laisse errer son regard sur le décor désolé qui l'entoure. Le mur hostile du château manufacture, en face des maisons à demi en ruine. Oh là là, quelle ambiance pour un film de la série noire! Tout y est. Tout y est, sauf les assassins. Seulement ça. Qu'est-ce que... Oh, allons, bon, voilà la neige maintenant. Eh, la Beauce avait raison. Eh bien, tiens, ah, ces vieilles masures vont m'offrir un abri. Oh. Ah, voilà une vieille remise. C'est parfait pour l'instant. Ah, regardons la carte s'il se trouve un autre étang dans les environs. Ah oui, seulement cette carte est au 100 000e, elle ne peut pas mentionner les très petites pièces d'eau. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? On dirait... Oh là 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 là, quel bric-à-brac là-dedans! Une vieille échelle, une roue de charrette... Des cordes, des instruments de jardinage. Ah, tiens, il y a une fenêtre, là. Voyons un peu. Mortimer jette un coup d'œil à travers les barreaux et sursaute tout à coup. À ses pieds, 4 mètres plus bas, une sorte de ruisseau en crue disparaît en grondant sous la maison. Mais c'est ici que le courant m'a entraîné après mon plongeon. Oh, Mortimer, Mortimer, tu n'as pas perdu ton temps. Alors, la voûte, les blocs de pierre, la brèche dans le mur. Oh, il n'y a pas de doute, c'est bien à cet endroit que je suis sorti de l'eau avant de regagner la route. Eh oui, c'est ici un déversoir dans lequel s'épanche le trop-plein d'un étang situé dans le parc de la manufacture. Oh, eh ben ça y est, je comprends tout. Enfin, presque tout. Parce qu'il reste à savoir maintenant pourquoi on a cru nécessaire de faire disparaître le chauffeur du taxi et de camoufler le lieu réel de l'accident. Alors, qu'est-ce que je vais faire, moi? La police? Ah non, j'ai pas de preuve absolue. Puis ceux qui ont manigancé le coup sont assez fins pour avoir effacé toutes les traces. Alors, si j'allais... Oui, ça, je crois que c'est une idée. Trousse-allée, c'est là que je dois poursuivre mon enquête. Je serais bien étonné si je ne découvrais pas quelques petits secrets susceptibles de m'intéresser.
Voilà, je vais remonter sur la route où j'ai fait de l'autostop. Parce que ce bon Labrousse doit se morfondre d'inquiétude, il faut le rassurer tout de même. Et voilà, maintenant, en route pour Buc. Allô, c'est moi, Sadi. Et ça sent le roussi, je viens de voir le barbu à la pipe. Il rôde dans la propriété. Oui, c'est le cabot qui l'a repéré. Et le gars a parlé à la vieille folle de la bicoque. Est sûr, oui. Bah, à mon avis, il devait être dans le taxi hier soir. Comment? Bon, entendu. Ah, quel temps, misère, quel temps! Ah, un café. C'est bien français. Sur 6 maisons, il y a un bistrot. Bonsoir. Monsieur. La cabine téléphonique, s'il vous plaît. Ah, il n'y a pas de cabine ici. Mais vous avez l'appareil au bout du zinc. Vous appelez directement. Bon, merci, ça ira. Ah, quel temps, hein? Oui. Et croyez-moi, ça ne fait que commencer. Ouais, c'est charmant. Allô? Allô, Labrousse, ici Mortimer. Au nom du ciel, rentrez, les gendarmes sortent d'ici. Qu'est-ce d'hier? Non, d'autres. Et ils sont à votre recherche. Il faut que vous rentriez immédiatement. Ah, je suis désolé, mon cher ami, mais il manque encore quelques petits renseignements. Juste le temps d'aller jeter un coup d'œil à l'étang de Troussalet et je rentre. Où dites-vous? À Troussalet et je... Damn it. Ah, bonsoir, brigadier. Bonsoir, tout le monde. Mortimer. Allô, Mortimer. Que faire? Patron, qu'est-ce que je vous dois? 0,75. Fichu temps pour vous rendre, hein, brigadier. Ah, ça. Et qu'est-ce que je vous sers? Bon, comme d'habitude. Merci. Et alors, rien de neuf dans l'affaire du taxi? Non. Il paraît qu'on soupçonne le client, c'est tout ce que je sais. Des types comme ça, moi, j'aurais pas pitié. Oh, j'en sais assez, maintenant je file. Comme un voleur, Mortimer se glisse hors du petit café, puis il se hâte vers le haut Buc. Eh ben, j'ai eu chaud. Oh, décidément, ça ne doit pas être drôle de se sentir traqué. Oui, seulement drôle ou pas, Mortimer, il faut retourner dans la remise. J'ai aperçu tout à l'heure une échelle et des cordes. C'est avec ça que je vais poursuivre ma carrière clandestine de hors-la-loi. Ah, avant de rentrer à Jouy, mon pauvre Labrousse, il faut que je sache ce qu'il y a derrière les murs de cette propriété si bien gardée. Avec un peu de chance, dans une heure, tout sera terminé. Ah, l'échelle est toujours là, c'est parfait. Oui, elle n'est pas de la première jeunesse, mais en me faisant léger, puis j'ai pas le choix. Ah, la corde. Bon. Eh ben, maintenant, il va falloir y aller. Il n'y a personne. Non, quand je pense que je dois me cacher parce qu'on me suspecte, moi, obligé de pénétrer nuitamment dans une propriété privée, et pas escalade encore. Oh, Philippe Mortimer, le professeur Philippe Mortimer, gentleman cambrioleur. Enfin, puisque je ne peux agir que clandestinement, allons-y. Bon, la route est libre, c'est le moment. Voilà, le mur du parc. Bon, bah, j'espère tout de même que les échelons restants tiendront. C'est pas le moment de se casser une jambe. Aïe, 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 il arrive pas en haut du mur. Oh, avec un petit rétablissement au fait, ça ira. Cette corde au dernier échelon, je pourrais la tirer pour redescendre de l'autre côté et éventuellement faciliter ma retraite. Là.
Je vais tirer l'échelle. Hop. Elle a basculé. Hop. Oh. Well. Bon, après l'escalade, la descente maintenant. All right. Maintenant, je vais dissimuler l'échelle, parce qu'on sait jamais, hein? Maintenant, voyons, ce cours d'eau, c'est dans cette direction. Oui, mais avant d'aller plus loin, je fumerais bien une bonne pipe, moi. Seulement, c'est peut-être pas prudent. Il se peut qu'il y ait dans les environs des narines sensibles. Mortimer, soit audacieux, mais pas téméraire. Bon, alors ici, je m'y reconnais. C'est là que j'ai failli me noyer. J'espère que cette exploration sera fructueuse. Oui, voilà la voûte où j'ai failli m'assommer, là, quand le courant m'entraînait. Oh, Philippe, mon ami, tu es sur la bonne voie. Remontons par là, maintenant. C'est ça, vers la vanne. Ah, puis cette neige qui tombe toujours. Pourvu que ce brave Labrousse ne s'inquiète pas trop. J'ai l'impression que j'ai encore des choses à découvrir par ici. Bon, alors, celle-ci était prévue. La vanne. Oui, c'est bien là que j'ai été submergé par la chute avant d'être entraîné vers le tunnel. Alors, il faut que je passe sur l'autre rive. Voilà l'étang de l'autre côté. L'étang dans lequel le taxi de Spauver Ernest est venu donner de l'avant. Alors, est-ce que je vais relever une piste ici, moi? Ah, si seulement je savais où est Ernest. Et ce cri angoissé l'autre nuit, était-ce lui seulement? Puis alors, pourquoi? Puis ces aboiements terribles. Oui, ben pour les empreintes, inutile d'y compter, la neige a tout recouvert. Pourtant, je suis sûr que c'est par ici que nous avons dévalé le talus. Mais où exactement, ça? Ah, damn it, que faire? Alors, nous décourageons pas et comptons sur la chance. La chance, c'est la muse des policiers et des enquêteurs. Tiens. Qu'est-ce que c'est, cette odeur? Pas de doute, c'est celle de l'ozone, comme l'autre soir. Ah, alors c'est bien ici que le taxi s'est enlisé. Eh bien, dans ces conditions, il n'y a plus qu'à aller en reconnaissance du côté de l'ancien château. En évitant autant que possible l'étang, parce que... Brrr, il ne doit pas y faire chaud à cette heure. Seulement, je me demande pourquoi cette odeur d'ozone dans un lieu désert. Ah ben voilà, je distingue les bâtiments derrière les arbres. Dans la nuit froide, la silhouette fantastique de Mortimer avance prudemment. La neige s'épaissit. Au loin, par intermittence, le cri d'un oiseau. Encouragement au signal d'alarme. Mortimer vient de passer près d'un petit sapin. Quand brusquement il s'étale de tout son long en étouffant un juron. God damn! Qu'est-ce qui m'est arrivé, moi? C'est une racine ou quoi, ça? My lord! Ce sont des cordes. Des cordes et... Oh! Des filets de camouflage. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ah, ça se complique, alors. Pourquoi des filets de camouflage ici? Quoi? Qu'est-ce que c'est, ça? La terre qui se soulève. Elle s'ouvre maintenant. Oh, et cette coupole? Mais on dirait celle d'un observatoire. Ici, c'est ahurissant. Nous sommes en pleine science-fiction. Oh, mon petit Mortimer, il ne s'agit plus que d'être très prudent maintenant.
couleur bleuâtre. Et l'affaire y continue. Qu'est-ce que c'est ça, une antenne? Non, damn it, c'est un radar. Mais alors? Oh, il cherche quelque chose, c'est certain. Quelque chose ou quelqu'un. Et cette deuxième tige de métal dirigée vers moi. Malheur, le radar s'est immobilisé, le cône tourné par ici. Il n'y a pas une seconde à perdre, il faut filer, c'est moi qu'on a repéré. Il faut que je sorte du parc le plus vite possible. Il le faut, sinon je... Et Mortimer court aussi vite qu'il peut vers la vanne. Il la franchit, mais tout à coup une sorte de sifflement se fait entendre et de la tige de métal qui domine le dôme sort un jet de gaz phosphorescent qui prend pour cible notre pauvre ami. Cette vapeur verdâtre. Oh, ma tête. On m'a asphyxié. Ah! Oh, je peux plus, moi. Le mur, l'échelle, vite. Il faudrait que je... Il faut que je sorte. Il faut sortir. Ah, l'échelle. Ah, debout. Il faut que... Oh, ma tête. Ah, ça y est. Le mur. Contre le mur. Oh! Oh. Qu'est-ce que c'est? Ces masques? Qui êtes-vous? Comme voulez-vous. Ah! Non! Non! Ah! En conclusion, je reste persuadé que le centre du mystérieux réseau doit être recherché à Paris même. C'est aussi mon avis. Mm-hmm. Malheureusement, les indices vraiment sérieux manquent encore. Jusqu'à maintenant, nous nous contentons de surveiller la correspondance de plusieurs firmes étrangères qui, pour des raisons diverses, nous inspirent des soupçons. Je vois, je vois. On doit d'ailleurs m'apporter d'un instant à l'autre les résultats des dernières analyses. Mais pour être franc, je n'ai guère d'espoir. Ah, entrez. Durant, entrez donc. Blake, je vous présente Durand, le chef du laboratoire. How do you do? How do you do? Mais vous en faites une tête, et dans ces lettres. Toujours rien, monsieur le commissaire. Absolument rien d'anormal, c'est désespérant. Qu'est-ce que je vous disais, Blake? Tenez, monsieur le commissaire, je vous les rends. Merci. Puis-je jeter un coup d'œil sur ces enveloppes, commissaire? Bon, je vous en prie. Merci. Sans les ouvrir, je peux vous garantir qu'on les a épluchés, sérieusement. Hein. Vous savez tout ce qu'il y a à l'intérieur de ces enveloppes? Oh, ça, alors. Pardier, oui. Vous avez une loupe, s'il vous plaît. Une loupe? Oui. Voilà. Merci. Cette enveloppe-là vous paraît suspecte, monsieur? C'est bien ce que je pensais. Qu'y a-t-il? Tenez, Durand. Oui. Prenez la loupe, regardez à l'entête de cette enveloppe. Voyons. Alors, regardez bien. Non, je vois rien d'anormal. Scandinavia, Stockholm et cette barque de Viking surmontée d'une couronne comtale. Ouais. Exact, mais concentrez-vous sur la seconde perle de cette couronne. Ouh! Bon sang de bon sang! Eh bien, Durand! Une minute, patron, je reviens! Enfin, Blake, me direz-vous? Excusez-moi, juste un coup de téléphone. J'avais rendez-vous au Louvois avec Mortimer et le professeur Labrousse. Et bien sûr, faites. Mon cher Pradier, j'ai l'impression que Durand va revenir avec le sourire. Excusez-moi. Allô? Allô, le Louvois? Ici le capitaine Blake. Je voudrais parler au professeur Mortimer, Philip Mortimer. Ah, je regrette, capitaine. Monsieur Mortimer n'est pas ici. Mais le professeur Labrousse est dans le hall. Une seconde, je vous prie. Alors? Mortimer n'est pas là-bas, mais on va me passer. Allô? Oui, oui, j'écoute. Ici Labrousse. Bonjour, capitaine. Figurez-vous que je suis très inquiet au sujet de notre ami.
Il est parti en exploration dans les environs de Jouy-en-Josas. Il aurait dû rentrer hier soir et je ne l'ai pas encore revu. Ah. Oui, écoutez, professeur. Je suis retenu à la DST. Pourriez-vous m'y rejoindre? Mais très volontiers. Vous demanderez le commissaire Pradier. D'accord, j'arrive. À tout de suite. Dites-moi, mon cher, je ne voudrais pas être indiscret, mais qu'avez-vous repéré sur cette enveloppe? Durand est sorti comme s'il y avait le feu. Oh, ce n'est pas sorcier. J'ai remarqué que l'une des perles de la couronne brillait sous la lumière frisante. J'en ai aussitôt déduit que cette perle était en réalité un microfilm, portant vraisemblablement des indications très précieuses. Nom d'un chien! Le coup du micro-point de Zap! Oui, et on utilisera encore longtemps, à des fins plus ou moins avouables, la géniale invention de Herr Professeur Zap. Mais comment se fait-il que Durand n'ait pas... Oh, ne l'accablez pas. Pourquoi aurait-il épluché cette enveloppe de la Scandinavia avec plus de minutie que les autres? Oui, oui. Par contre, pour moi, cette firme est une vieille connaissance. Et puis, ici, difficulté supplémentaire, le point n'est pas utilisé dans la ponctuation, mais... comme un élément décoratif dans un ensemble constitué par la couronne. Ils sont très forts, dites donc. De notre côté, Pradier, nous ne sommes pas maladroits. Et autrement dit, du sport en perspective. Certainement. Mais dites-moi, quel est le correspondant parisien de la Scandinavie? Oh, un nom invraisemblable. Attendez, c'est un certain Per Henrik Quastron, import-export. Je vais d'ailleurs demander au fichier des renseignements complémentaires sur ce coco-là. Fichier, écoute. Faites-moi monter le dossier du nommé Per Henrik Quartstron. QUA, import-export. Je l'attends. Compris. Pendant ce temps, le professeur Labrousse arrive à la DST. Oui? Le professeur Labrousse, monsieur le commissaire. Faites entrer tout de suite. Bonjour, professeur. Entrez donc. Je vous présente le capitaine Blake. Enchanté de vous connaître, capitaine. Comment allez-vous? Monsieur le commissaire, l'agrandissement de la perle. Ah, donnez vite. Et pour ce qui est du message, ma langue au chat. Merci. Voyons. Un message en code, évidemment. Encore faudrait-il en connaître la clé. Enfin, le chiffre nous tirera sans doute d'embarras. Mais nous allons perdre du temps. Et chaque minute compte. Vous permettez. Merci. Messieurs, je crois pouvoir vous aider. Comment? Vous? Un météorologue? Mais justement... Il s'agit tout simplement de la transmission en code d'un message concernant les observations météorologiques comme on effectue régulièrement toutes les stations de l'Organisation mondiale météorologique. Ce message est destiné à l'établissement des prévisions du temps. Par exemple? Oui, capitaine. Voyons, 3X1, indice probable de la station émettrice. Région 1, 4 courants, 12 heures. Tiens, tiens. Temps universel, France 00. Ça, c'est sans doute l'indicatif de la station réceptrice. Nébulosité totale, nord-ouest, 70 nœuds, visibilité, etc., fort orage, neige, pression atmosphérique, oui, cumulonimbus, tornade. Oui, bon. Eh bien, c'est très clair. Ah, vous trouvez? Cela signifie que dans les prochaines heures, on peut s'attendre à d'importantes perturbations venant du pôle Nord. D'autre part, un détail me paraît insolite, la date. La date? Oui, les messages de ce genre portent la date du jour où les observations ont été faites. Et ici, on mentionne le 4. En effet, 4 courants. Or, nous ne sommes que le 3 aujourd'hui. Et la lettre ayant été postée à Stockholm, le 2, cela reporte les observations à la veille, c'est-à-dire au 1er. Il ne peut donc s'agir d'observations faites le 4, mais de prévisions pour le 4. Observations ou prévisions, pourquoi diable se faire envoyer de l'étranger, et en grand secret, des données identiques à celles qu'on peut lire dans tous les journaux? En effet, c'est étrange. Tellement étrange que... Que je commence à me demander s'il ne s'agit pas là d'indications beaucoup plus particulières, et qui viendraient confirmer une théorie du professeur Mortimer. Quelle théorie, Labrousse? Eh bien, messieurs, Mortimer pense que la météorologie aberrante et détraquée que nous subissons en ce moment ne serait pas l'effet de la nature, mais l'œuvre de l'homme. Comment? De l'homme? Oui, messieurs. Quand il m'en a parlé, je me suis un peu moqué de notre ami. Et maintenant, qui sait même s'il n'y a pas de rapport entre la théorie de Mortimer et sa disparition? Labrousse. Oh.
Mais voyons, Labrousse, cela relève de la science-fiction. Bien sûr, il y a les essais à la neige carbonique et à l'iodure d'argent, mais ça n'a pas dépassé le stade des expériences de laboratoire. Je ne suis pas tout à fait de votre avis, Pradier. Si Mortimer a émis une telle hypothèse, ce n'est sûrement pas sans raison sérieuse. Vraiment? D'ailleurs, et cela vous convaincra, Mortimer a été chargé officieusement de localiser, si possible, le point d'où émanent les phénomènes qui perturbent le climat. Quoi? Vous en êtes là, l'Intelligence Service? Oui, mon ami. Vous voyez, commissaire, que l'affaire est très grave. Et Mortimer a disparu, ne l'oublions pas. Enfin, il n'est pas rentré depuis hier. Je suis très inquiet, je ne vous le cache pas. Oui, je comprends. Et si Mortimer a raison, tout se tient. Le réseau qui fait l'objet de nos recherches et dont la mission nous échappait s'occupait en fait de la transmission d'ordres et d'indications météorologiques spéciales venues de l'étranger à une sorte de filiale importante, située vraisemblablement près de Paris. Une filiale qui, à son tour, retransmettrait ces messages à une série de sous-stations chargées, je ne sais dans quel but, de troubler le cours de la nature. Ça alors, c'est ahurissant. Que comptez-vous faire, commissaire? Eh bien, je vais tout de suite chez le directeur. J'aurais peut-être l'air d'un ballot, mais tant pis. Vous m'avez convaincu. J'essaierai d'en faire autant avec le patron. Si vous voulez, messieurs, rendez-vous ici à 8h. Nous aurons d'importantes décisions à prendre. All right. Capitaine, je vous emmène. Ma voiture est en bas. Well, avec plaisir. Blake et Labrousse quittent la DST, l'air soucieux. Quelques minutes plus tard, la traction avant du météorologue emmène les deux hommes par les rues enneigées. Maintenant, il va falloir nous occuper de Mortimer. Oui, car cette absence prolongée me paraît anormale. Si vous le permettez, je passerai d'abord à mon appartement de la rue de Vaugirard afin d'y prendre certains documents pour la réunion de ce soir. Très bien, nous en profiterons pour téléphoner chez vous à Jouy. Et peut-être Mortimer aura-t-il donné de ses nouvelles entre-temps. Je l'espère, Blake, je l'espère. En chemin, Labrousse rapporte à Blake l'aventure de leur ami commun, du moins tout ce qu'il en sait, jusqu'au dernier coup de téléphone reçu de Buck. Mais dites-moi, Labrousse, ce trou salé, où est-ce? Et je l'ignore, je ne connais aucun endroit de ce nom. Oh, pardon, monsieur le professeur. Bonsoir, madame Petit. Mais qu'avez-vous? Je croyais que c'était le secrétaire de M. Henry qui rentrait. Et comme j'ai du courrier pour lui, je voulais... Mais vous ne serez pas sorti de votre loge pour rien. Si vous voulez me donner ce courrier, je le lui remettrai. Nous sommes voisins de palier. Ça vous évitera de monter. Oh, merci beaucoup, monsieur le professeur. Tenez, allez, voici les lettres. Au revoir, madame Petit. Monsieur le professeur. Messieurs. Allons-y, Blake. Pendant ce temps, le curieux voisin de Labrousse téléphone. Il n'a pas l'air commode, ce monsieur. Moustache drue, cheveux en brosse, lunettes vertes. Alors, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Il a pris la custom malgré ma défense? C'est bon. Je vais lui apprendre à désobéir, moi. Ah, autre chose. Comment se porte notre invité? Bon, mais surtout, on frappe, je te rappellerai. Salut. Bonjour, professeur, entre... Non, merci, vos... une autre fois, cher monsieur, je suis pressé. Voici du courrier pour vous. Ah, ça c'est très... Mais qu'avez-vous? Que regardez-vous derrière moi? J'ai cette maudite tragédie, c'est sale temps. J'ai pas mis les nez dehors depuis 8 jours, alors... Ah, eh bien, figurez-vous que j'ai pourtant cru vous rencontrer à Buc hier matin. Ah, mais comment dites-vous, mais voilà, je ne suis pas allé à Buc, pas du tout. Mais excusez-moi, je croyais avoir vu votre voiture près des étangs. Mais ma voiture est là, professeur, je pense qu'il y a plus d'une voiture américaine à Paris. Mais mon cher monsieur... Oh, ça... Plutôt mal luné, votre voisin. C'est curieux, lui, d'habitude si aimable. Oui, vraiment curieux. Bon sang, il faut que je me mette à l'écoute tout de suite. Par l'enfer, il faut que je sache ce que Black vient faire ici. Je téléphone à Jouy, j'ai hâte de savoir. Ce cher Mortimer,
Mais dites-moi là, Bruce, il est étranger, votre voisin, il a un curieux accent. Oui, c'est un nordique, je crois. Vous permettez, j'ai Catherine au bout du fil. Allô, Catherine. Alors, quelle nouvelle? En bas, dans la rue, une grosse voiture américaine bleue vient de s'arrêter. J'ai l'impression que le boss va te sonner les cloches. T'en fais pas, Freddy. Je sais comment le prendre. Allez, à tout de suite, baby. So long. Hello. C'est moi, patron. Qu'est-ce que... Shut up! Tu vois pas que j'ai les écouteurs, non? Et pas la moindre nouvelle. Oh, quel malheur. Comment? Ah, le percepteur connaît un endroit appelé Troussalé. Intéressant, ça. Dites que nous arrivons. C'est bien, Catherine, merci. J'arrive aussi vite que possible avec un ami de ce pauvre Mortimer. Alors, patron? La custom est en bas? Oui, patron, avec Freddy. Justement, à propos de la bagnole, j'ai... Ça va, Sharky, garde ton boniment. Mais bon, sûr... Ça va, j'ai dit. Et c'est plutôt de deviner qui se trouve dans l'appartement voisin en ce moment. Dis, hein, pour voir. Je ne sais pas, moi, je ne vois pas, patron. Comment... Black. Le capitaine Francis Black de l'intelligence service. Non. Si, Black. Qui t'a si bien roulé dans l'affaire de la chambre d'Horus. Black, lui. Mais c'est impossible. Je... Oh, patron, pas tous les diables, je vais... Du calme, Sharky, du calme. Écoute-moi bien. Fini les gaffes maintenant, il va falloir jouer serré. Oui, patron. Et tant pis pour les idiots qui ont un fromage mou à la place de la cervelle, tu piges. Bon. Alors voilà ce que tu vas faire. Et surtout, surtout, tiens, attends à mes ordres strictement. Quel temps. Ça se remet à tomber. Pourvu que la route soit praticable. Nous prendrons par Meudon et Pièvre. Freddy. Oui. Ordre du patron. Filez le train à cette traction. D'accord. Et pour notre santé à tous, il vaut mieux ne pas la perdre. Compris. Fais-moi confiance. Eh bien, mon pauvre Blake, nous ne sommes pas encore arrivés. Sur cette neige à demi-fondue, on dérape terriblement. Et puis le vent s'est levé, regardez-moi ces tourbillons. Allez aussi vite que la prudence vous le permet, mon ami. Ah, j'ai tellement hâte de rentrer à Jouy. Mais dites-moi, que vous a dit Catherine au téléphone à propos du percepteur? Oui, d'après lui, le Troussalé serait une sorte de marécage situé du côté de Toussul-Noble. Une heure plus tard, la traction arrive devant le domicile de Labrousse à Jouy-en-Josas. 100 mètres derrière, une Ford bleue se range le long du trottoir pendant que nos deux amis entrent dans la villa. Un télégramme pour vous, monsieur le professeur. On vient de l'apporter. Ah, donnez vite, Catherine. C'est peut-être de Mortimer. Blake, c'est bien de lui. Écoutez, suis retenu par enquête. Tout va bien. Dites à Blake de ne pas s'inquiéter. Excuse et amitié, Mortimer. Vous permettez? Naturellement, tenez. Ah, curieux. Quoi donc, mon cher? Ce télégramme a été expédié de Paris à 15h. Donc, au moment où nous nous mettions en route pour Jouy. Et le bureau d'origine est celui du 6e arrondissement. Du 6e? Mais c'est le mien. Ah ben, voilà qui est étonnant, par exemple. Pourquoi, connaissant mon domicile parisien et se trouvant dans le quartier, Mortimer m'a-t-il adressé un télégramme ici? C'est juste... En résumé, on pourrait croire que notre conversation téléphonique avec Catherine a été entendue par quelqu'un qui voudrait nous dissuader d'effectuer des recherches. Mais dans ce cas, Blake, cela signifie que nous sommes sur une bonne piste. Oui. Et plus j'y pense, plus j'ai l'impression que ce télégramme est un faux et que notre ami est réellement en danger.
Alors ne perdons pas de temps et allons au trou salé afin de voir s'il peut réellement nous apprendre quelque chose. Oh, vous partez déjà, monsieur le professeur? Oui, Catherine, il le faut. À tout à l'heure. Eh bien, à tout à l'heure, messieurs. Quel temps! Oui, ça n'arrange rien. Et du trou salé, il faudra retourner à Paris. Pensez que notre réunion avec Prady est prévue à 8 heures. Oui, avec cette neige, la route de Toussulnob ne sera pas facile. Allons-y. Tiens. En panne. Par exemple. C'est impossible, elle sort de chez le mécanicien. Allons voir ça. Voyons. Voyons, côté carburateur, ça paraît normal. Aucune bougie n'est débranchée. Ici. Bon. Damned! Regardez! Regardez, c'est bien ce que je craignais, un sabotage. Comment? Un sabotage. Voyez-vous-même, on a coupé le fil de Delco. Oh, les gredins. En plein jour, quelle audace. Mais comment ont-ils pu... C'est aussi ce que je me demande. Mais, dites-moi, la voiture que vous avez vue aux étangs, n'est-elle pas du même bleu que celle qui est rangée le long du trottoir, là-bas? Oui, en effet, il me semble. Autre chose. Ce monsieur Henry, votre voisin de palier... possède-t-il un chien? Ah, ça par exemple, vous aussi! Comment? Oui, Mortimer m'a posé la même question. J'ai même souri à l'idée d'un molosse au milieu des bibelots précieux de M. Kvarnström. Quoi? Quel nom avez-vous prononcé? Kvarnström, père Henrik Kvarnström. Mais ces noms nordiques sont si difficiles à prononcer qu'on l'appelle tout simplement M. Henry. Et bien entendu, il s'occupe d'import-export. Oui, c'est bien ça. Mais... qu'avez-vous, capitaine? Venez vite! Mais enfin, me direz-vous... mais qu'est-ce qu'il a? Quelle mouche l'a piqué? Allô? 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 Eh bien, mon ami... bien joué, le téléphone est coupé. Le téléphone aussi? Ça me direz-vous ce qui se passe? Eh bien, il se fait que ce monsieur Henry, votre cher voisin, n'est autre que le destinataire du message secret que vous avez déchiffré ce matin. Mais il est très probablement aussi le chef d'un mystérieux réseau de sabotage chargé d'une mission pour le moins originale qui consiste à perturber le temps. Mortimer avait donc raison. Et ces gens-là sont extrêmement dangereux. Oh, ils ne reculeront devant rien. Ils ont certainement su que la custom bleue avait été identifiée par Mortimer aux étangs de la jeunesse. Surprendre notre conversation téléphonique a été un jeu d'enfant pour M. Henry. Se doutant que nous avions relevé sa trace, il nous aura fait filer par des hommes à lui qui se sont arrangés pour nous isoler ici à Jouy en nous coupant de nos amis de Paris. Je comprends, ma voiture et le téléphone sabotés. Eh oui, mon pauvre ami. Il est à peu près certain que les occupants de l'American Bleu qui stationnent dans la rue ont pour mission de nous guetter et d'empêcher toute sortie. Alors, Blake, que faire? Il faut coûte que coûte alerter Pradier de la DST. Mais comment sortir d'ici? Je suis sans armes. Comment peut-on gagner Paris autrement que par la route? Le chemin de fer étant coupé entre Versailles et la capitale, il ne reste que la ligne de Jouy à Massy-Palaiseau et le métro part de Massy. Mais je ne connais pas les horaires. Et puis comment gagner la gare de Jouy sans être vu? J'en fais mon affaire. Y a-t-il une sortie derrière votre maison? Non, mais en passant par les jardins qui s'étagent à flanc de coteau, vous pourriez arriver à un sentier qui longe le parc de Montebello pour redescendre ensuite par une voie qui coupe ma rue à une dizaine de mètres derrière la custom. Ensuite, vous arrivez tout droit à la gare. Ah, parfait. Quant à vous, cher ami, faites en sorte que les forbans qui montent la garde en bas nous croient toujours ici. Et aussitôt que possible, alertez Pradier, qu'il me rejoigne au plus vite chez vous, rue de Vaugirard. Entendu, allons-y, je vous accompagne derrière. À
Rapidement, Blake et Labrousse gagnent le jardin qui fait suite à la villa du météorologue. Parvenus à la limite de la propriété, les deux hommes se serrent la main avec affection. Bonne chance, mon cher ami. Merci. Ne vous inquiétez pas. Non, j'essaierai. Mais avant de partir, prenez donc les clés de mon appartement de la rue de Vaugirard. Elles peuvent vous être utiles. Mon cher professeur, vous auriez fait un excellent détective. Merci. Et au revoir. Good luck, Blake. Ah, mais qu'est-ce qu'ils font? Ah, calme-toi, Gorille. Tu sais bien que le patron veut pas qu'on agisse sans ordre. Ah, mais moi, je suis de naturel méfiant. Et je vais aller faire un petit tour du côté de cette villa. J'ai flair du louche. Par ce temps de cochon, t'aurais une nez bouchée que ça m'étonnerait pas. Bah, laisse tomber, Freddy. Et oublie-moi. So long, chap. Pourvu qu'ils réussissent. Ah, les bandits, les bandits. Les rideaux, oui, de cette façon, de leur voiture, ils me verront certainement. Il faut que Blake ait le temps de filer. Mon Dieu, mais c'est la voix de Catherine! Catherine, Catherine, qu'avez-vous? J'arrive! Quatre... Minute, grand-père! Oh, les mains! Les mains en l'air, j'ai dit! Mais qui êtes-vous? Et qu'avez-vous fait de Catherine? T'inquiète pas, elle est au frais dans la cave. Et maintenant, laisse-moi passer. J'ai un mot à dire à mon copain Blake. Blake? Mais voyons, mais je ne connais pas... Ça va, les plages, j'ai dit! N'approchez pas de cette porte. Oh, là, j'ai dit! Oh! Ah! Mille diables, il a filé! Où est Blake, grand-père? Où est Blake? Mais lâchez-moi, espèce de brute! Tu vas répondre, dis où est Blake? Par où est-il parti? Réponds! Ah, c'est comme ça. Eh bien, je vais te rafraîchir la mémoire, moi. Laissez-moi! Je ne sais rien. Je ne dirai rien. C'est ce que nous allons voir. Alors, une fois, où est ce cher Captain Blake? Deux fois. Pendant ce temps, Blake est redescendu dans le pays. Il lui va falloir maintenant traverser la rue, 10 mètres derrière la custom bleue dans laquelle se trouve encore Freddy. Oui, maintenant, le plus difficile reste à faire avec cet homme au volant, pourvu que je ne glisse pas. Il faut y aller. Go! Arrête! Arrêtez! Arrêtez ou je tire! Stop! Ah, raté. Vite, il faut prendre un charquet. Freddy, qu'est-ce qui t'arrive? Vite, vite, viens, il a fichu le camp. Ah, alors, à la bagnole. Et plante-toi dans ce cas. Tu n'es pas fou, non, de faire des cartons dans la rue? Tu me fais bien rigoler. Qu'est-ce qu'il fallait faire d'après toi? En tout cas, pas ça. Bon, allez, appuie, appuie. Et... Ma parole, tu dors. Il faut la voir avant qu'il atteigne la gare. Ah, bah, tant pis, je vais contourner le bloc. Ok. Ah, tu parles d'une patinoire. Si jamais on se ramasse pas. Ah, fonce, je te dis. Oh! Là-bas, c'est lui. Oui, oui. Dans le virage. Allez, on va le coincer. Oui. Attention, tournant! Oui. Friend, mes friends, don't eat ya! Oh, dis, ça glisse! Oh! Attention, sur toi! Trop tard! Vite, les gars sont assommés! La chance est avec moi. Mais comment faire? Oh! Oh, ce fourgon postal! Allons-y! Mon fourgon! Mon fourgon! Au voleur! Arrêtez-le! Au voleur! Oh, le bandit, donc! Sous mes yeux, là! Et en plein jour! Ah, ça, alors? Oh! Les gardes de l'Américaine qui se réveillent. Dites, messieurs... Qu'est-ce qu'il y a? Pas trop de bobos, là, après le choc? Non, ça va. Et le moulin marche encore. Une chance, parce qu'on vient de me piquer mon fourgon postal. Un grand gars en imperméable clair. Oui, c'est ça. Il vient de tourner à droite, là-bas. Si vous vouliez m'en... Et justement, nous le poursuivions. Oui, on est de la police. Il a tourné à droite, vous dites? Oui, attendez, je vous accompagne. Pas le temps. Allez, vas-y, Freddy. Thank you.
Dès que j'aurai atteint ma cible par les eaux, je téléphonerai à Pradier. Je me demande comment je m'en serais tiré si les autres n'étaient entrés dans le mur. Mais il n'y a pas à se faire d'illusions, c'est une lutte à mort que nous engageons. Et ils iront jusqu'au bout. Oh, un passage à niveau, la ligne de Massy sans doute. Bon sang, la barrière. Il faut que je passe. Il le faut. Il le faut. Il était temps. Et si tout va bien, dans un quart d'heure, je les aurai semés. Allô? Allô, la gendarmerie? Ici, la cabine de Jouy. Oui, dites donc, on vient de me voler mon fourgon postal. À deux pas de l'Institut zoologique. Comment? Mais non, je ne plaisante pas! Hein? Oui, oui, un grand type blond en gabardine claire. Comment? Ah, ça, non, t'as aucune idée. Hein? Hein? Ben, en direction de Massy Palaiseau. Oui, mais il a déjà des gars de la police aux trousses. Dans une grosse voiture américaine. Ah, mais si, je vous dis, mais si, américaine, ça j'en suis sûr. À des barrages. Bon. Bon. Oui, entendu. Merci. Ah, enfin. Ah, j'ai cru qu'elle ne se rêverait jamais, cette maudite barrière. Allez, vas-y, Freddy. Oui. Les cases, il faut rattraper les 4 minutes que nous avons perdues. Ouais, mais si on emboutit encore un obstacle, on en perdra encore davantage. Ah, oh, fonce, je te dis. Avec tous ces tournants, c'est impossible. La cochonnerie de temps. Mais dis donc, j'y pense. Et le professeur Labrousse, alors qu'il est, il a déjà dû évertir les flics. Oh, pas de danger. Avant de filer, je l'ai envoyé rejoindre la bonne dans la cave. Après lui avoir mis un bon petit coup sur l'occiput. Of course. Bon, une ligne droite. Charquet. Hein? Charquet, là-bas, au bout. Oh! Oh, le fourgon vient piloter par notre cher ami. Ah, cette fois, Plex, ça commence à sentir le roussi pour toi. Ouais. Allez, vas-y, Freddy, vas-y. Allez, plein de dieu. Fais-moi confiance. Plus vite, Freddy, plus vite! Je te dis que cette fois, on se le fait, le Black. Ouais. Eh bien, moi, je voudrais déjà en avoir fini. Ouais. Dis-moi, une question, Charquet. Je t'écoute. Si notre beau capitaine de l'intelligence service ne se laisse pas intimider... Ah, dans ce cas, tant pis pour lui. Ça ferait un agent de moins. Mais ma parole, il marche au kérosène, ce zèbre! Des gendarmes. Ils me font signe de stopper. Oh, voyons, si je m'arrête, les autres m'auront rejoint avant que j'aie pu m'expliquer. Et alors? Bon, en conséquence, il faut que je force le barrage. Attention, brigadier! Le bandit! Prends les gardes! En voilà une deuxième! Dégagez, Trochu, dégagez! Ma parole, ces gars-là sont timbrés. Roulez à cette vitesse sur une route enneigée. Mais vous avez vu, brigadier, on aurait dit que la seconde, américaine, poursuivait la première. Ce sont sûrement les policiers signalés par le postier. Sans doute. Je vais avertir tout de suite la brigade. Allô? Allô, j'écoute. Ici le carrefour de Saclay. Le fourgon signalé vient de passer à toute vitesse et fonce en direction d'Igny. Une grosse américaine bleue l'a prise en chasse. Terminé. Merci, j'alerte tout de suite les motards. On va bien finir par la voir. Alors, brigadier? Cette fois, ce sont les motards qui vont s'occuper de lui. Alors je lui souhaite bien du plaisir. La distance diminue entre les deux voitures. Cependant, le fourgon postal vient d'atteindre Igny. Allez, voilà! Oui, mais attention,
faut pas se faire prendre en sandwich par les gars de la sûreté. Ne t'inquiète pas, on les laisse passer et on démarre. Tu y es ? En avant. Attention au virage ! Je vais en profiter pour doubler l'américaine. Mais qu'est-ce qu'ils fichent ? Ils veulent avoir tout l'honneur de la capture ! Mais bon sang, ils s'en foutent ! Attention ! Ils vont nous coincer ! L'accident s'est produit à l'endroit où la départementale 117 contourne le collège Saint-Nicolas. Au moment où le premier moteur allait dépasser la Ford bleue pilotée par Freddy, celui-ci a donné un coup de volant à gauche. Impossible de freiner sur la route enneigée. Le policier, lancé à toute vitesse, a tenté l'impossible, mais son engin est venu emboutir de côté la première moto et les deux malheureux ont été projetés à plusieurs mètres. La Ford bleue fonce maintenant sur la route déserte qui, à quelques centaines de mètres, coupe la ligne de chemin de fer desservant Massy-Palaiseau. Bien joué, Freddy. En voilà toujours deux qui ne nous gêneront plus. Ouais, à condition de pas moisir en route. Oh, regarde! Le passage à niveau, la barrière se baisse. Ah, cette fois, Monsieur Blake, vous arrivez trop tard. Ouais. Coincé, stoppé, à notre merci. Allez, vas-y, Freddy. Il peut plus nous échapper maintenant. Tiens, voilà le train pour Paris. Oh, cherchez. Il saute. Tonnerre! Il saute par-dessus la barrière. Mais il est dingue, il va se faire. Il s'accroche au dernier wagon, ça y est. Il nous échappe encore. Friend, friend, Freddy, friend, le fourgon. Non, mais trop tard. Allez, vite, dehors. Ah, mais qu'est-ce que tu veux faire maintenant? Ah, il nous a eu, l'English. Gonflé, hein. Mais comment? Et dans 5 minutes, il sera à Massy-Palaiseau, et là, il prendra le métro pour Paris, et puis après... Ah, il faut coûte que coûte l'empêcher de contacter la DST. Allez, retournons à la voiture, en route. Oh là là, dis donc. Je lui ai un peu cabossé son fourgon, hein. Ah, et ça, je m'en balance. J'espère que notre tir marche encore, sinon... Elle en a vu d'autres depuis quelque temps. Ouais, hey, j'ai l'impression que ce n'est pas fini. Ouais. Bon, Charquet. Quoi? Regarde. Les deux types de la guerre, là-bas. Ils viennent par ici et pas l'air contents. Hein? Eh bien, ceux-là, ils auraient intérêt à ne pas trop me chatouiller. Laisse-les approcher. Non, pas de blague, hein, Charquet. C'est pas le moment. Ne t'inquiète pas. Mes mauvaises intentions, je les garde pour Blake. Le capitaine Blake. Allez, vite, on file. Hé, là-bas! Je n'allais pas partir comme ça. Qu'est-ce que c'est ça? Et le fourgon postal dont vous avez défoncé l'arrière? Nous sommes témoins. Police! Nous poursuivons justement le conducteur de cette camionnette. C'est un dangereux voleur d'auto et il a sauté dans le train en marche. Nous allons le coincer à Massy. Ah, alors dans ce cas, inspecteur, excusez-moi, ouais. Je savais pas. Mais si vous voulez, je vais téléphoner à mon collègue de Massy. Non, pas la peine. Allez, Freddy, on reprend les chasses à l'homme. Bonne chance. Merci. Sapristi, avec cette neige fondue, je suis frigorifié, moi. Et cette portière est fermée à clé. Voyons, où sommes-nous ici? Ah, on approche enfin de Massy-Palaiseau. Et pourvu que les autres aient abandonné la poursuite. Et puis, il s'agit de ne pas me faire repérer par les employés, j'ai peut-être été signalé. Ralenti? Parfait. Attendons encore un peu. C'est le moment. 1, 2, 3. Et maintenant, il faut que j'arrive au quai du train de Paris. Allez, vite,
Asseyons-nous. Allez, l'escalier, là. Je te suis. Allez, pas question de prendre des tickets. Hein. On enjambe la balustrade et on gagne les quais directement. D'accord. Rien de normal là-dedans, puisqu'on est de la police et qu'on poursuit un voleur. Allez, allez, presse, Freddy. Il faut repérer notre ami au plus vite et le stopper définitivement. Oui, et ça ne doit pas être très difficile. À cette heure, il n'y a presque personne dans la gare. Hé, par ici. Il faut faire tous les quais. Oui. Et les bandits commencent à explorer la gare de Massy-Palaiseau, minutieusement, implacablement. Tout à coup, Charquet saisit le bras de Freddy et s'arrête. Là-bas, c'est lui! Oui, mais nous ne sommes pas sur le quai de Paris. Malédiction! Blake va encore nous échapper. Il court pour le prendre en tête. Ah, tant pis, on traverse la voie. Arrête! Ah! Ouf, j'ai eu chaud. Dans ta rage, tu l'avais pas vu arriver, celui-là, hein? C'est ce maudit Blake. Ce gars-là, il hante ma vie. Toujours et toujours, je le trouve sur ma route. Il m'obsède, et partout, dans tous les pays. Oh, il finira par me rendre fou, je te dis, Freddy. Mais non. C'est sa dernière aventure, à Blake. On va bien finir par le posséder. Mais là. Demain, oui. Regarde. Les quais sont déserts, il a réussi à prendre le train de Paris. En avant, Freddy, à la voiture. Il faut le rattraper, le métro, le devancer, monter dedans avant Paris. Allez, suis-moi, Freddy, vite. Mais foire de Charquet, Blake, tu me paieras ça. Les deux brutes sautent dans la Forte Bleue et reprennent la route à toute vitesse en direction de Paris. Charquet déplie une carte et, le sourcil froncé, étudie l'itinéraire. C'est comme si j'y étais. Notre homme va essayer d'aller à la DST tout de suite. Et je suis sûr qu'il va s'y rendre en métro. Il faut donc l'intercepter avant d'enfer Rochefort. Ah oui, la correspondance avec le réseau urbain. Ouais. La station d'avant, c'est Cité Universitaire. C'est là que je l'attendrai. Une fois dans le même métro que lui... J'ai compris, Charquet. Tu mets en application une de tes méthodes. Et pour Blake, ce sera la meilleure, je te garantis. Ok. Toi, tu iras jusqu'au terminus du Luxembourg où tu m'attendras. D'accord. Dis donc, on ne devrait pas tarder à arriver. Non, on traverse gentil. On y est presque. La grosse voiture arrive bientôt boulevard Jourdan devant le métro Cité Universitaire. Un grand coup de frein, Charquet jaillit de la voiture comme un diable de sa boîte et s'engouffre dans la gare. Eh bien, il était temps. Une minute plus tard, il me filait sous le nez. Mais cette fois, mon ami, nous allons nous trouver sur la même galère. Et un train, ça n'a pas de double fond. Oh, quel monde, bon sang! Voyons le dernier wagon. Ok. Doucement! Ah, il faut bien que je monte, non? Et maintenant, mon petit. En chasse! Non, mais allez-y doucement, mon vieux! Mais pas parole! Il se croit tout seul, celui-là! Oh, fais excuse, ma petite dame, mais je me suis trompé de wagon! On va là une raison! Non, quel brut! Oh, non, mais il y a des gens sans gêne quand même! Non, mais regardez-moi ça, il faut qu'il passe! Ça va! Dites-donc! Pardon! Excusez-moi! Mais bah oui, quoi, je m'excuse! Je peux pas faire mieux, non? Au bout du wagon. Eh oui, pas de doute, c'est lui. Cette crapule de Charquet. Je ne l'avais pas revu depuis l'histoire de la Grande Pyramide. Ah, il n'a pas embelli. Oui, mais maintenant il s'agit de se faire tout petit et de filer vers l'avant. Il approche. Heureusement qu'avec cette foule. Pardon, madame. Excusez-moi. Oh, pardon. Ah, on approche de d'enfer. Il va falloir jouer serré, sinon...
Mêlons-nous à la foule. Oh, goddam. Le Corey est descendu avant moi, il surveille la sortie. Comment faire? Ah, si, une solution. Il faut que je remonte dans le train au moment où il repartira. En attendant, Blake, mon ami, évite de te faire voir. C'est le moment. Malheur! Il est remonté dans le train. Je suis repéré maintenant. Enfin, nous verrons bien. Je vais toujours... Oh, pardon, monsieur. Je vais toujours passer dans l'autre wagon. Maintenant qu'il m'a vu, il va foncer comme un taureau et si je me laisse coincer dans la première voiture, mon compte est bon. Oh, Eureka! Ces échelons de fer! Sauvez, Blake, sauvez! Je vais monter sur le toit. Allons-y! Pendant que Blake s'allonge sur le toit, Sharkey fouille tous les wagons. Tim! Il ne s'est pourtant pas évaporé! C'est extraordinaire! Je l'ai pourtant vu sauter dans le train! Et où se cacher ici? Ce n'est tout de même pas une demi-portion, ce Blake! Ah, je vais refaire tout le train! Il faut que je le trouve! Ah, oh, c'est pas ce qu'il faut, ce Blake! Non, mais on va vous parler d'un endroit pour faire du fossile! Ah, cela, si j'avais le temps! Hé, attention! Mais par tous les diables! Cette échelle! Je parie que... Ah! On arrive à une station. Blake! Enfin, je te tiens! Pas encore, Sharkey! Avec ce revolver, tu n'iras pas loin, sale mouchard! Je vais te tirer comme à la foire! Ah, cette fois, Blake, tu ne t'en tireras pas! Cet Oscar 765 ne m'a jamais trahi! Crapule! Aïe! So long, Sharkey! Ah, bon sang! Un peu plus, j'ai passé sous le train, moi. Heureusement que j'ai réussi à attraper cet échelon. Et l'autre s'est sauvé! Ah, damn, damn, damn! À Luxembourg, comme promis, Freddy attend Sharkey. Alors, il m'a filé entre les doigts pour Royal, par la verrière, au-dessus du quai. Un vrai numéro de cirque. Mais je t'expliquerai. Mais Port Royal, ça mène nulle part, ça. Non. À moins que... Oh, mille diables! Au lieu d'aller à la DST, il est capable de faire une descente chez... Mais oui! Mais chez qui? Vite, Freddy, à la bagnole! J'y! Elle est garée devant le jardin du Luxembourg. Tonnerre! Des flics! Ils nous attendent. Ouais. Inutile d'insister. La custom a été signalée partout. Et puis en plus, tu es en infraction à ces malheurs. Ah, que faire maintenant? Ouais, t'inquiète pas et suis-moi. C'est pas encore ce soir qu'on sera chômeur. Mais pendant ce temps, Blake a pris un taxi à Port-Royal. Un taxi qui vient de le déposer devant le 69 bis de la rue de Vaugirard, domicile de la Brousse. Quelle bonne idée la Brousse a eu de me confier sa clé. Entrez. Bonsoir, madame. Le professeur Labrousse m'a confié un message pour Monsieur Henry. Est-ce qu'il est chez lui? Oh oui, oh, sûrement, monsieur. Il n'a pas bougé d'ici depuis midi. Merci, madame. À votre service. Vous savez où c'est? Oui, oui, ne vous inquiétez pas. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bon. Maintenant, il s'agit d'être prudent. Voyons. Parfait, l'oiseau est au nid.
Et maintenant, chez la Bruce. Inutile d'allumer, ça risquerait d'attirer l'attention du voisin, ce n'est pas le moment. Well, 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 le téléphone, je préviens Pradier tout de suite. Oh, n'oublions pas l'ABC du métier, une petite inspection des lieux d'abord. Rien ici. Voyons les moulures maintenant. Qu'est-ce que... Oh, mais oui, je le tiens. Un microphone dissimulé près du plafond. Plus de doute maintenant. Cet Henri est bien celui que nous cherchons. La voilà débranchée, parfait. Plus une seconde à perdre. Allô, DST? Je voudrais le commissaire Pradier, urgent. Allô? Allô, ici le capitaine Blake. C'est vous, Pradier? Comment? Appelé au ministère de l'Intérieur? Ah, mais c'est qu'il s'agit d'une question de minutes. Comment? Oui, c'est ça. Oui, essayez de le contacter, c'est extrêmement urgent. Merci. Fâcheux contretemps. Voyons, que faire en attendant Pradier? Pourvu que l'autre à côté ne se... Oh, et puis le mieux encore est de surveiller sa porte. Ou plutôt, non. Non, sa fenêtre. Tant qu'il y aura de la lumière, ça signifiera que notre homme est là. Voyons ça. Good Lord, sa fenêtre est ouverte. Une chance unique. Je vais essayer de me glisser jusque-là. Il n'y a guère qu'un mètre cinquante entre les deux fenêtres. Ouais. Oui, oh, ça ira. Je pourrais mettre mon pied ici. Voilà, ça y est. Personne dans la pièce. Allons-y. Allô, je n'entends rien, mais... Comment? Encore ce... C'est incroyable. Cette voix... Mais on dirait... Le rideau. Mais profitons-en. Mais alors, il vous a roulé une fois de plus. T'es incapable. Incapable, j'ai dit. À ce dont je parle. Allô, oui. Oui, tu es sûr? Bon. Alors, on a encore une chance. Ça va. Je fais le nécessaire, oui. Mais si ça se goupille mal, vous aurez de mes nouvelles, t'es un idiot. Cela, je les liquide à la première occasion. Mon pistolet mitrailleur. Allons jeter un petit coup d'œil dans l'escalier. Décidément, les nouvelles vont vite. J'ai l'impression qu'on est un peu paniqué ici. Mais cette voix, où l'ai-je entendue? Il me semble que... Rien d'anormal, j'aime mieux. Ça va me laisser du temps pour faire disparaître certaines pièces. En cas de... Voyons les dossiers. Oui, c'est ça. Ouais. Tiens, une où ça pochette allez, dans au le mur. Feu, là. Un microfilm. Message. Hop, rapport. Voilà. Bon, allez, hop. Tonnerre.
bon sang, on pourrait me voir d'en face, les doubles rideaux. Oh, les mains. Reculez. Quoi? Allons, reculez. Plus vite que ça, dos au feu. Mais que voulez-vous, je ne comprends pas si c'est de l'argent que vous voulez... N'essayez pas de me donner le change. Non, n'approchez pas de cette table. Mais je vous dis de vous éloigner de la table. Vous avez déposé votre pistolet mitrailleur. Mais vous faites erreur, je vous assure. C'est un très beau Beretta, dernier modèle. Compliment, monsieur Henry. Voilà, j'aime mieux vous voir là-bas. Car maintenant, le pistolet, c'est moi qui le prends. Mais je vous assure... Rien du tout. Car cette arme est en parfait état, et vous l'avez chargée vous-même il y a un instant. Heureusement d'ailleurs, car ce n'est pas avec cette malheureuse pipe que j'aurais pu vous intimider. Tonnerre ! Ah oui, le vieux coup de la pipe qui gonfle la poche a encore réussi. Une pipe ! Je me suis laissé avoir comme un débutant. Parfait. Je vois que sous l'effet de la surprise, vous oubliez votre accent de pacotille. Je crois que par la même occasion, vous pourriez aussi vous débarrasser de votre perruque et de vos moustaches postiches. En effet, capitaine Black, c'est aussi mon avis. Voilà. Vous avez devant vous votre vieil ennemi, le colonel Ulrich. Il faut donc que je vous retrouve toujours sur ma route. Que voulez-vous, capitaine? Le monde est si petit. J'ai l'impression que maintenant le monde va encore se réduire pour vous. Que voulez-vous dire? Oui, elle pourrait bien se réduire aux dimensions d'une cellule. Vraiment? En êtes-vous si sûr, capitaine Black? What? Alors, Black, toujours content de m'avoir retrouvé? Alors, mon mignon, pas de faux mouvements. Moi et Freddy, on a la détente facile et le tir précis. Ouais. Passe-moi ce pistolet mitrailleur, et poliment, hein? La crosse tournée vers moi. Allons, j'attends! C'est bon, vous avez gagné. Ça, je crois, oui. Eh bien non! Tenez, Sharkey, attrapez cette arme! Attention! À toute volée, Sharkey a reçu le pistolet mitrailleur en plein front. À demi-assommé, il est allé s'effondrer sur un guéridon. Freddy s'est approché, mais craignant de blesser ses comparses, il n'a pas tiré. Foudrage, Ulrich s'est précipité vers la cheminée et s'est emparé d'un tisonnier. Un tisonnier qu'il brandit sur Blake. En un éclair, notre ami lui a passé une prise de bras et, par-dessus son épaule, a fait décrire au colonel un magnifique arc de cercle. En retombant, et bien involontairement, le bandit a donné un coup de talon dans l'estomac de Freddy qui, sous l'effet de la douleur, lâche son revolver. Rapidement, Blake se baisse et ramasse l'arme. À ce moment, la pièce se trouve plongée dans l'obscurité. Par ici, vite! Voilà, patron! Oh, les mains, tous! Vous avez intérêt à vous faire tout petit, Black? Nous sommes trois contre vous. Si nous avions le temps, votre compte serait rapidement réglé, mais ça, ce sera pour plus tard. Oh, les mains, ou je tire? C'est ça, dans le noir! Ne bougez pas! Bon sang, ils m'ont enfermé! Les bandits! Toi, Sharkey, Oui, ça va. Si tu avais bloqué le pistolet mitrailleur avec ton front, tu serais peut-être pas aussi frais. Dis donc, et moi alors? Moi, j'ai pris les pieds du patron dans l'estomac quand Black me fait une clé au bras. Assez, tous les deux, c'est pas le moment. Hey, tiens, Freddy, je prends encore quelques grenades. Dis donc, avec tout ça, on va pouvoir causer, hein? Vous y êtes, oui? On y est, patron. On y est. Alors, vite dehors. Et vous, capitaine Black, que le diable vous emporte. Trop tard, patron! Plein les flics! Déjà? Oui, et comment? Et puis, il y a du monde, hein? Alors, par ici, suivez-moi, je connais le chemin. Allez. On va filer par les toits. Et à mon avis, il n'y a pas d'autre solution. Quoi? Allez, go! Allez. Plus vite! On va arriver trop tard! Et mettez-vous! Mettez-vous tous! Nous ferons pas de cadeaux! Alors, nous non plus, patron! Attention, c'est ici! Le vestibule est ouvert, prenez garde! Quelqu'un est enfermé dans le salon! Tiens! Bradier! Blink! Pas de mal? Non, mais il s'en est fallu de peu. En guise d'adieu, mon ami Ulrich m'a envoyé une rafale à travers la porte. Mais vous ne les avez pas vus, ils sont trois. Non, nous avons seulement entendu tirer. Alors, c'est qu'ils ont filé par le haut. Ils vont se sauver sur les toits par le vasistas du dernier étage. Venez. Allez.
Je vous expliquerai ce qui s'est passé depuis notre entrevue. D'accord. Mais d'abord, il faut mettre la main sur ces lascars. Allez, courage! On arrive! Là, à gauche, une mansarde ouverte. Suivez-moi. Allons. Qu'est-ce que je vous disais? Cette tabatière, ouais. C'est par là qu'ils se sont enfuis. Tenez, amenez cette caisse, là. Voilà. Ça y est, j'aperçois leur silhouette derrière les cheminées. Mais ils sont déjà loin, il faut se dépêcher. Aidez-moi à sortir, Pradier, vite. Oui, allez. D'accord, mec. Et vous, les gars, derrière moi. Ça va être facile. On n'a pas le choix. Dès que tous mes hommes seront là, on commence l'attaque. Allons, pressons vous autres. Voilà, patron. Tenez, vous les voyez là-bas? Oui, j'ai l'impression qu'ils nous guettent. Et il va falloir avancer à découvert, je n'aime pas ça du tout. Prêts, les gars? Oui, patron. À l'abri d'une rangée de cheminées, Ulrich donne ses dernières instructions. Il va falloir jouer serré, les gars. Hein. Avant 10 minutes, nous aurons toute la flic à l'île de Paris sur les bras. Oui, ça, y a pas de doute là-dessus. Moi, la bagarre, j'aime ça. Oui, bien, de toute façon, de la bagarre, il va y en avoir. Mais ce qu'il faut surtout, c'est nous tirer de là, et au plus vite. En nous couvrant, si besoin est. Vu? Vu, patron. Bon, le seul moyen, c'est de filer par les toits jusqu'aux immeubles de la rue Madame. Allez, en route, et ouvrons l'œil. Oui. Oh, regardez là-bas! Oh, bon sang, ils n'ont pas perdu de temps, hein! Et puis dites donc, il y a du renfort! Enfin, on a quand même 50 mètres d'avance! En avant! Halt! Rendez-vous! Vous êtes fait! Alors, boss! Planquez-vous derrière ces cheminées à mon commandement, feu! Ils avancent à découvert, c'est le moment! Non, attendez encore! Rendez-vous, Ulrich! Vous n'avez aucune chance! Feu! Suivez-moi, on décroche! Ah, maudit temps! Avec cette neige fondue, faites attention, il y a 6 étages au-dessous, voyons! À part ici, une corniche. Charquet, tu restes en arrière-garde et tu nous couvres. Faites-moi confiance! Parce que c'est étroit! Mais ne regardez pas derrière à cause du vertige! Le ventre contre le toit! Ah, j'aime pas ça, patron, moi! D'un côté, c'est le vide, et de l'autre, c'est toi qui monte. Si ça avançait très vite, on serait coincés. Mais t'en fais pas comme ça, ils nous voient plus. On va pouvoir... Oh! Enferme! Une herse sépare les deux immeubles, on ne peut pas passer. Ah, malheur! Mais qu'est-ce qui se passe? On peut plus avancer. Oh, alors il faut rebrousser chemin avant que les flics nous aient rejoints. Allez, suivez-moi. Je vais les obliger à se planquer. Ouah! Là-haut! Des échelons le long de ce mur! On va pouvoir passer de l'autre côté! Sauvé! Prends ma mitraillette, Freddy! Et toi, Charquet, appuie-toi là! Oui! Je vais monter sur tes épaules pour atteindre le haut de ce petit toit! Oui! Allons, vite! Voilà! Là, ok! Passez-moi les armes, maintenant! Voilà! J'ai! Maintenant, à ta main, Freddy! Voilà. Mais non! Reste collé au toit, voyons! Oui! Alors, vas-y! Là! Maintenant, on ne sera pas trop de deux pour hisser le gorille. Oh, charrier, pas cher. Allez, Charquet. Allez, hop. Là. Oh. Eh ben, dites donc, si vous m'aviez lâché, je faisais un bon plongeon. Eh ben, c'est pas pour aujourd'hui, va. Ah, nous y sommes. Well, alors écoutez-moi bien. Je grimpe par ces échelons. Freddy me suit. Oui. Pendant ce temps, toi, Charquet, tu les empêches d'approcher. Oh. Sitôt arrivé en haut, nous te couvrirons à notre tour. Ok, chef. Alors, bonne chance, hein. Ils avancent, les poulets, hein. Fais la volonté. Mes agneaux, approchez. Ça va être votre fête.
ici, capitaine, venez donc. Rendez-vous. Eh bien, venez me chercher vous-même. Allez, en avant, ils vont nous échapper. C'est ça, encore un peu, là. Et maintenant, ma mignonne, portez-les à tous mes voeux. Et maintenant, là-haut, avec les autres, le temps que les flics retrouvent leurs esprits. C'est comme des rats. Ouais, c'est infranchissable. Qu'est-ce que se passe? Rien à faire pour atteindre l'autre immeuble. C'est le vide entre les deux. Et en bas, là, il y a une verrière qui doit couvrir un atelier ou quelque chose comme ça. De toute façon... Ouais, damn. Et alors là, on est bien placé comme cible. Juste en haut d'un pan de mur. Ouais, les échelons qui nous ont conduits ici ne doivent jamais servir qu'aux rameneurs. Ah, bon sang. Mais il faut redescendre, les gars. Ben, trop tard, patron. Regardez sur le toit là-bas. La retraite est coupée. Oh, malédiction. Ah, et quoi qu'on fasse, j'ai l'impression que les flics ne vont plus nous faire des cadeaux. Mais tu as raison. Baissez-vous. Ah, oh, mais comment faire, mon Dieu. À moins d'avoir des ailes, moi, je vois pas. Ces gars-là ne reculent devant rien. Ils me le paieront cher. Deux de mes hommes ont été blessés par la grenade. Et si vous ne l'aviez pas fait dévier d'un coup de pied, on y passait tous. Ces gaillards-là sont décidément très coriaces. Tiens, mais qu'est-ce qu'ils fabriquent là-haut? Ah, inutile de prendre des risques supplémentaires. Je vais demander des renforts et des projecteurs. Pradier. Quoi donc? Regardez. S'ils restent là-haut, c'est qu'ils sont coincés sur le perchoir. L'autre côté de leur mur donne sur le vide et par ici, nous les attendons. Donc... Bon sang, c'est vrai. Nous les tenons. Ils sont cernés. Aïe! Oh, qu'est-ce que c'est? Oh, aïe, God, damn. La grêle! Allez, vite tout le monde à l'abri ou vous allez être assommé! Tant qu'il peut! Tant qu'il peut! Aïe! Oui! Rappelez-vous à cette antenne TV! Oh là, oui! Et protégez-vous le crâne avec l'autre bras! J'ai jamais vu des grêlons comme ça! Aïe! Oui! Ah, il faut tenir le coup! Aïe! Oula! Oh, on parle en fer! Avoir échappé au flic et se faire mitrailler par la grêle! Patron! L'antenne! Ah! Ah! Bon sang, il tombe! Quoi? Charquet! Il est tenu bon! Ah oui, mais suspendu au-dessus du vide! Alors, patron! Ça va? Quelle chance! Le bout de l'antenne est allé s'accrocher à la cheminée d'en face! Sans ça, c'était l'écrasement à travers la verrière! En bas! Ah, j'ai mieux ça! Ah, c'est un vrai lion, le boss! Regarde-le! Il a passé de l'autre côté! Champion, hein? Nous, on va redescendre par les échelons, les flics ont battu en retraite, madame. Oh, les gars! Oh! Vite! Faites comme moi! Accrochez-vous à l'antenne! Et venez me rejoindre! Hein? Il est fou, lui! Vite, je vous dis! Venez où vous êtes perdus! Venez, mais c'est solide! Oh. Allons, coureurs! Oh, oui. Alors, nos oiseaux? Hélas! Pendant la tourmente de grêle, ils ont réussi à filer. Nous n'aurions pas dû nous abriter. Comment pouvions-nous penser qu'ils résisteraient à une telle avalanche de grêlons? Oh, quelle malchance! Ne désespérez pas, Pradier. Nous reprendrons la chasse et avec de plus grands moyens. Pour l'instant, il n'y a plus qu'à rentrer. Hélas! Mon cher Labrousse, j'espère que vous m'excuserez de vous bousculer après les heures mouvementées que nous venons de vivre, mais l'affaire qui nous occupe ne souffre aucun délai. Mais je vous en prie, commissaire. Voyons, de quoi s'agit-il? Si je vous ai prié de passer d'urgence à mon bureau, c'est pour vous soumettre un document du genre de celui que Blake a découvert sur l'enveloppe de la Scandinavia. Un message météorologique? Je crois, oui. Il s'agit d'un papier à demi-consumé et que nous avons découvert dans la cheminée de votre ex-voisin de la rue de Vaugirard, le soi-disant Monsieur Henry. Ah ah. Nos services ont réussi à reconstituer le texte, mais voyez-vous même. Et voilà l'original et la copie établie par Durand. Merci. Alors, qu'en pensez-vous? Fichtre, voilà qui n'est pas rassurant. Pourquoi ça? Eh bien, comme vous le supposiez, il s'agit de prévisions météo pour le 26. Et si j'interprète correctement le code, ce jour-là, un brouillard d'une opacité exceptionnelle devrait couvrir tout le pays et même s'étendre sur des pays voisins. Tiens. Voilà qui est bizarre. Qu'y a-t-il de vraiment inquiétant là-dedans, Blake? Expliquez-vous si vous avez une idée. Avez-vous songé, Pradier, qu'un tel brouillard paralyserait totalement les communications intérieures, en isolant pratiquement chaque région, chaque ville, chaque village? En somme, des conditions idéales. Oui, pour, je vois. Une attaque brusquée de réseaux subversifs, décidés, par exemple, à prendre le pouvoir par tous les moyens. Bon sang! Mais il faut donner l'alerte immédiatement. Mais c'est terrible, mes amis. Et mes craintes sont d'autant plus grandes que la théorie de notre pauvre Mortimer s'étaye chaque jour plus solidement.
L'homme détraquant à volonté les saisons, l'homme devenu maître de la nature. Non, quand j'y pense... Tout n'est pas joué. 10 sur 26, il ne nous reste que 48 heures. C'est peu, évidemment, surtout quand on songe que nous ignorons encore d'où partira l'attaque. Oui, et nous avons perdu la trace d'Ulrich. Il nous reste une chance, Bradier. Dites. Mortimer. Mortimer? Mais il a disparu, on ne sait où. C'est à voir. Que voulez-vous dire, Blake? Rappelez-vous l'insistance qu'Ulrich a mise à nous détourner à tout prix du trou salé. J'en conclus que Mortimer doit se trouver quelque part dans ce coin-là. Bien raisonné. Allons-y. Et moi, que vais-je faire pendant ce temps-là? Vous, professeur, regagnez la météo nationale et mettez vos services en état d'alerte. Entendu, commissaire. Et maintenant, messieurs, au travail. Une rude tâche nous attend. Cependant, à 18 km de là, à vol d'oiseau, dans un château près d'une manufacture abandonnée, de curieux personnages jouent aux cartes en écoutant un transistor. On n'avait jamais vu ça dans nos régions. Et cet ouragan prend les proportions d'un désastre national. En dernière minute, la préfecture de police nous prie de diffuser le signalement des trois bandits qui ont participé à la fusillade de la rue de Vaugirard. Ça, c'est pour nous, Freddy. Le chef de ce petit commando se nomme Ulrich, dit le colonel. Taille 1m80, cheveux noirs, nez aquilin, petite moustache noire. Signe particulier, néant. C'est un homme particulièrement dangereux. Le deuxième homme du trio est d'origine américaine. Il a d'ailleurs un accent assez prononcé. Ah, voilà mon portrait. Bandit très dangereux, il se nomme Sharkey, dit le gorille. C'est une énorme brute. What? Ah, une faciès bestiale. Moi, une énorme brute, moi? Shut up, vous autres! Shut up, j'ai dit! Le premier qui rigole encore, je le retourne comme une peau de lapin. Compris, Todd? Tu es là? Oui, chef, Ramène-moi le professeur, tout de suite. Bien, ok, chef. Faciès bestial, le front bas. Si jamais je tombe sur ce speaker un jour, je le passe à la moulinette. Ah, ils ont osé rigoler. Eh bien, ils me paieront ça, ces gangsters à la mie de pain. Faut être choqué. Qui va là? Te fatigue pas, petite tête, c'est moi, choqué. Planque ta sulfateuse. Sharkey s'avance dans la cour inondée par la lumière froide de la lune. L'air frais calme un peu le gorille et remet ses rares idées en place. Salut, Max. Salut. Je viens chercher le barbu. Et par ici, mon prince. La marchandise est au frais. Oh, mais dis donc, qu'est-ce que t'as à l'œil? Ah, dis, Max, tu m'éblouis avec ta lampe. Éclaire plutôt le chemin. Et d'un gorille. Mais qui c'est qui t'a cocardé? Un flic qui m'a balancé un flingue par surprise. Mais si je le repense... Oh, ça, je te fais confiance, bulldozer. Hey, dis donc, Max, le prisonnier, comment il se conduit? Oh, c'est un autre tout ce qu'il y a de plus tranquille. Correct? Ouais, bien élevé, mais pas causant. Un vrai angliche, quoi. Hey, tiens, on arrive. On l'a mis dans une ancienne écurie. Oh, je me disais aussi... Ah, ben, ça fait longtemps qu'il n'y a plus de chevaux, hein. Mais on peut pas dire que ça sent bon. Ça, ouais. Une véritable planteur, oui. Eh bien, tu vois, Sharkey, personne ne se plaint. Pourtant, le professeur, il est aux premières loges. Oui, mais il respecte les lois de l'hospitalité. Je te l'ai dit, c'est un homme bien élevé. Ou alors, il a le rhume de cerveau. Oh, ma parole, mais c'est un vrai trésor, cet homme-là. Ouais. J'ai des instructions. Une visite pour vous, monsieur le professeur. Comme voulez-vous, je n'ai rien à vous dire. Eh bien, on ne reconnaît plus ces petits copains maintenant. Je ne sais pas et je ne veux pas savoir qui vous êtes.
Je vous prie de me laisser en paix. Ah, Max, ce que j'ai toujours reproché aux Anglais, moi, c'est leur froideur. Voyons, professeur Mortimer, rappelez-vous, la chambre de Russe, la grande pyramide. Enfin, Max, éclaire mon visage. Là, tu vois, professeur, c'est encore moi, choqué, toujours solide au poste. Tu ne me reconnais pas? Oh, tu me fais de la peine, Philippe. Votre ironie est aussi pesante que vous, Jacques. Vous n'avez pas fait de progrès. Sans doute parce que vous avez toujours les mêmes fréquentations. Boum! Mortimer la ferme, hein? Ah, voilà, je vous aime mieux comme ça. Vous vous ressemblez vraiment. Bah, ça suffit! Si tu continues, je... Oh, Jacques, du calme. J'ai horreur de la violence. T'es venu chercher monsieur, bon... Alors, tu te calmes et tu l'emmènes gentiment. D'accord, Max. L'honorable professeur Mortimer veut-il avoir l'extrême bonté de me suivre? Un de ses plus chers amis le réclame. Je suis prêt. Pas ici. Attention à la marche, là. Doucement. Encore un escalier. Dis donc, Charvet. Ne me l'égare pas, hein? Bah, t'en fais pas, fiston. Je veille sur lui. Et puis avec ses menottes. Et Charquet retraverse la cour de la manufacture avec Mortimer cette fois. Voilà! C'est ici que notre ami a installé son bureau. Ouais, c'est moi, Jacques, avec le professeur. Entre. Si monsieur le professeur veut bien se donner la peine. Oh, Ulrich. Lui-même, Mortimer. Et qui vous souhaite la bienvenue. Eh oui, cher professeur, c'est bien moi. Et comme vous pouvez le constater, sorti frais comme l'œil de toutes mes aventures malgré vos efforts acharnés. La partie n'est pas terminée, Ulrich. Toujours le panache. Vous m'amusez, Mortimer. Mais contrairement à ce que vous semblez croire, la partie est jouée. Vraiment? Oui, et grâce à vous. Il ne fallait pas vous mêler de cette histoire. C'est vous qui êtes venu nous chercher, vous, qui mettez toujours votre nez où il ne faut pas. Vous êtes un incorrigible curieux, Mortimer. Or, moi, je fréquente des gens qui détestent les curieux, car leur activité doit rester secrète. À chacun sa spécialité. Vos connaissances, j'étais d'ailleurs certain de vous rencontrer en travers de ma route, avec votre inévitable copain, le super flic. Francis Black. Quel dommage que nous ne soyons pas dans le même camp, professeur. Car vous avez de grandes qualités. Oui, mais trêve de compliments. Qu'est-ce qui vous a de nouveau mis sur ma route? Hein? C'est notre offensive météore qui vous gêne. Ces averses que vous fabriquez péniblement et que vous seriez d'ailleurs bien en peine d'arrêter. Ce serait pour de petites journées plus ou moins capricieuses, pour quelques coups de vent locaux, quelques giboulées plus ou moins réussies que ce bon Labrousse vous aurait appelé d'urgence, hein? Que la DST, l'intelligence service, aurait mobilisé leurs forces. Ah, je vous en prie, Mortimer, ne me prenez pas pour un imbécile, hein? Je ne comprends pas ce que vous voulez dire. Ben voyons, mon cher ami, vous connaissez le proverbe. Aux grands mots, les grands remèdes. Or, il se trouve que le déploiement des forces dont je viens de parler se justifie assez bien devant l'ampleur des dégâts que provoquent nos, perturbations atmosphériques. Voilà, du bluff, tout ça, Ulrich. Il n'y a là que pure coïncidence. En fait, ces phénomènes sont naturels. Voyez-vous ça? Moi, je dirais plutôt qu'ils sont artificiellement naturels. Du bluff, non. Ce qui nous intéresse ne sont pas vos tours de charlatan, Ulrich, mais votre activité de hors-la-loi. Vous êtes très habile, professeur. Hein? Ouais. Mais on n'apprend pas un vieux singe à faire la grimace.
Quand vous parlerez plus clairement... Vous essayez de m'agresser pour me faire parler? Eh bien, ne vous fatiguez pas, mon cher. Je vais vous mettre au courant de toute l'affaire, de A à Z. Comment? Vous voulez dire... Exactement. Vous allez pénétrer le secret des dieux. Car, mon cher, sachez-le, nous sommes de nouveau Prométhée. Oh, rien que ça. Oui, et je le prouve. Allô, Sadie. Et ne me remerciez pas surtout, on n'a rien à refuser à un homme... qui n'a plus que peu de temps à vivre. Allô, chef. Sadie, écoute. Nous allons faire visiter nos installations à notre ami Mortimer. Nous arrivons tout de suite. Reviens, Milok. Tout de suite, patron. Voilà. Si vous voulez me suivre, Mortimer. Sharkey, tu fermes la marche, hein, et ouvre l'œil. Soyez tranquille, boss. Nos trois hommes quittent le château, traversent la cour, puis pénètrent dans un vieux bâtiment de la manufacture. Nous allons descendre maintenant. Par ici. Toutes nos installations sont souterraines. Comme vous avez d'ailleurs pu vous en rendre compte l'autre soir en déclenchant nos radars dans le parc. Voilà. Mais c'était pas fini. Voyez, ce bric-à-brac, c'est fût vide. Maintenant, j'appuie sur ce clou. Et une énorme dalle se soulève avec les fûts, les caisses qui y sont fixées et qui servent à la camoufler. Oui, mais vous savez, le Moyen-Âge usait déjà copieusement des issues secrètes et des pans de murs basculants. Vous n'avez rien inventé. Erreur, Mortimer, erreur, vous n'avez encore rien vu. Un autre escalier. Je vous en prie. Mais... Non, ne craignez rien pour l'instant, vous n'êtes qu'un visiteur. Donnez-vous la peine de descendre. Nous entrons dans le domaine du professeur Milok. Oui, pour l'instant, on dirait un bunker. C'est en effet une sorte de bunker. Partout du béton, de l'acier, des portes blindées... Sharkey, hein? Referme la dalle. Ok. Bonsoir, messieurs. On m'a annoncé votre visite. Professeur Milok, je vous présente un visiteur de marque, le professeur Mortimer de Londres, en résidence au château. Pour très peu de temps, hélas. Très honoré, cher confrère. Je connais vos travaux. Ah, vraiment? Naturellement. Cependant, je crois devoir vous dire que le professeur Mortimer nourrit des doutes offensants à l'endroit de notre puissance scientifique. Rien de plus facile que de les dissiper. Oh, c'est à voir. Mais c'est tout vu, professeur. Venez. Oh, cette odeur. De l'ozone, cher professeur. De l'ozone. Mais entrez, je vous prie. Oh, par exemple! Oui, il y a de quoi être surpris, n'est-ce pas? Une salle immense s'offre aux yeux étonnés de Mortimer. Sur toute la hauteur de trois des quatre murs s'allument et s'éteignent des milliers de voyants multicolores. Sur le quatrième panneau, un planisphère géant au-dessus d'un pupitre de commande surélevé, sur lequel on distingue des boutons, des manomètres, des cadrans, des micros. Mon cher confrère, vous avez devant vous le poste de commande d'une des nombreuses stations météorologiques du réseau Cirrus. Le réseau Cirrus? Oui, c'est une chaîne de stations relais qui fabrique à volonté, la nôtre, bien entendu,
qui fabrique à volonté, dis-je, le temps que nous désirons sur d'immenses régions. C'est incroyable! Mais vrai, cher professeur. Et la station où vous êtes en ce moment et que j'ai l'honneur de diriger est la plus importante de toutes, à cause de son emplacement stratégique particulier. Mais voyons, professeur Millock, vous n'allez pas me dire que vous êtes capable de modifier le temps à votre guise, alors qu'à notre époque, dans l'état actuel de la science, on ne sait même pas pourquoi il pleut. Bien qu'on ait émis à ce sujet 100 théories différentes et toutes plus astucieuses les unes que les autres. Mon cher confrère, permettez, parler de votre science météorologique, de la science en général, pas de la nôtre. Non, ça, je ne peux pas croire qu'une telle avance ait pu être prise. Et par qui que ce soit. Notre ami professeur Millock est un rationaliste. Mais je crois que nous avons de quoi le convaincre. Oui, pour cela, il suffira de poursuivre notre visite. Vous n'aurez qu'à regarder, cher confrère, à regarder et à me demander l'explication de ce que, dans l'état actuel de vos connaissances, vous ne pouvez encore envisager. Alors, Mortimer, intéressé? Intéressé... Oui, enfin, très surpris. Alors ne vous gênez pas, regardez bien tout. Faites-vous expliquer et comprenez vite. Car il est plus tard que vous ne croyez. Je vous suis, professeur Millock. Avant de passer dans l'autre salle, permettez-moi de vous conduire dans mon bureau. Mais c'est à côté. Juste quelques préliminaires, mais qui me paraissent indispensables. Comme je vous le disais, la station où nous sommes et qui porte l'indicatif 001 est particulièrement importante car c'est une station pilote chargée de recevoir, de coordonner et de transmettre aux stations relais les ordres et les renseignements émanant de XXX1. La station centrale enfouie, elle, sous les glaces du pôle Nord. Du pôle Nord? Oui. Décidément, notre ami Mortimer est bien incrédule. Mais poursuivez, professeur. Donc, notre centrale du pôle Nord... Non, vous plaisantez. C'est de la pure science-fiction que vous débitez là. On n'a jamais... Un instant, professeur Mortimer. Gardez-vous de porter des jugements téméraires. Approchez-vous plutôt de cette carte de l'hémisphère Nord. Voici la station centrale en question. Des lignes rouges qui coupent le Canada passent au sud du Groenland, de la Scandinavie, pour aller ceinturer le nord de l'URSS. Oui, elles indiquent les régions où se forment la plupart des phénomènes météorologiques qui déterminent le temps sur toute la zone tempérée de l'Europe occidentale et des États-Unis. Parfaitement exact. Ouais. Ce sont les fronts polaires. Or, grâce à notre position géographique, à notre prodigieuse avance scientifique, nous avons réussi à percer le secret de la circulation générale de l'atmosphère. Comment dites-vous? Partant, nous pouvons pratiquement contrôler la presque totalité des fronts polaires atlantiques et pacifiques. Ah, mais par quel moyen? Nous disposons à l'heure actuelle d'un impressionnant matériel ultramoderne comprenant des calculateurs électroniques, des radars et d'autres appareils d'une conception absolument révolutionnaire. Vous en verrez quelques-uns tout à l'heure. XXX1 repère, analyse, interprète, prévoit, dirige et dévie à son gré. Et à son gré, toutes les perturbations nées dans son rayon d'action. Cela tient du prodige. Ah, je ne vous le fais pas dire, cher confrère. Hey, je comprends. Et ces magnifiques résultats sont possibles grâce aux autres stations relais qui, elles, travaillent dans leur propre rayon d'action. Le plan général de l'opération étant établi au sommet. Voilà, ouais. Exactement. Ce qui, bien entendu, ne les empêche pas de prendre des initiatives et d'intervenir, le cas échéant, sur le plan local en déclenchant des orages, des précipitations et tout autre phénomène, n'est-ce pas? Ouais. Ainsi, vous seriez donc vraiment capable de commander aux éléments, ça. Je puis encore le croire. Je comprends votre scepticisme, mon cher. Il y a un tel abîme entre notre science et les enfantillages de vos semblables. Nos enfantillages? Oh, quand je pense que vous en êtes toujours à ensemencer les nuages à la neige carbonique et à l'iodure d'argent, ou à crever les nuées d'orage à coups de canon. Mais c'est du bricolage, mon cher confrère. Nous,
Nous sommes capables de reproduire à volonté et artificiellement la plupart des phénomènes naturels. Oui, mais j'aimerais des exemples plus précis. Mais j'y venais, professeur. J'y venais. Merci. Et n'en perdez pas une miette, Mortimer. Bien sûr, vous ne pourrez en faire bénéficier personne, mais avant de partir pour le grand voyage, vous aurez eu la satisfaction de pénétrer le secret des dieux terrestres. Et votre lyrisme de pacotille ne m'aime pas, Ulrich. Mais on verra si tu fais le flambard au moment de creux. S'il vous plaît. Pour l'instant, nous sommes encore entre savants. Merci, je vous écoute, professeur. Oui, je vous demandais un exemple précis de création de phénomènes naturels. Eh bien, en captant une formation orageuse à l'aide d'un puissant champ magnétique qui agit sur elle comme un aimant sur une aiguille, nous provoquons une pluie diluvienne, et ce, par brusque rupture de l'équilibre moléculaire des nuages. Oui, oui, je vois. Des nuages que nous reformerons ensuite grâce aux ascendances artificielles. Pas mal, hein, Mortimer? Nous créons ou dissipons un brouillard dans le secteur de notre choix rien qu'en refroidissant ou en réchauffant certaines couches de l'air. Vous voyez, c'est tout simple. Oui, c'est tout simple, en effet. Mais, professeur, l'énergie fantastique que nécessite pareille opération, où diable l'apprenez-vous? Pour trouver une réponse à cette question, il vous suffira de me suivre dans la salle voisine. Voyez-vous, j'appuie sur ce petit bouton et... Tout le panneau blindé s'ouvre électriquement. Tout est électrique ici. Si vous voulez me suivre, mon cher confrère. Voyez cette galerie aux parois de plexiglas surplombe un hall colossal. C'est là que vivent nos appareils créateurs d'énergie. Je crois rêver, professeur Melek. Le professeur Milok, Mortimer, Ulrich et Charquet avancent lentement dans une lumière verdâtre qui donne aux êtres et aux choses un aspect encore plus irréel. Dans le hall immense de fantastiques machines, des monstres luisants d'acier, de verre et de porcelaine, des isolateurs, des génératrices, des électrodes, des disjoncteurs, des câbles, des mutateurs à vapeur de mercure. Regardez, professeur Mortimer, regardez ce hall. C'est là que l'énergie qui vous intrigue tant prend sa source. Et cette énergie n'est autre que l'éclair en boule. L'éclair en boule? Oui! Le rêve du génial physicien français Gaston Planté s'est réalisé grâce à nous. Planté, le premier à penser que l'éclair en boule produit artificiellement pouvait être l'accumulateur de l'avenir. Or, pour vous et les vôtres, Mortimer, nous sommes l'avenir. Ce fameux éclair, constitué par une combinaison d'azote et d'oxygène, condensé par un puissant arc électrique, possède une température interne considérable et recèle, sous un volume insignifiant, une énergie de quelque 20 milliards de joules. Mais ça a été noué, plus de 27 millions de chevaux vapeur. Oui, capté à sa source, l'éclair est en quelque sorte stocké dans ces accumulateurs sphériques d'un type spécial que vous voyez de chaque côté du hall. Ce formidable stock d'énergie étant réalisé, il peut alimenter directement nos bazookas à ondes ultra-courtes ou, après passage par la commutatrice, nos différents émetteurs. Renversant, n'est-ce pas, Mortimer? Vous ne doutez plus maintenant, je présume. Et tout cela est commandé de ce pupitre. C'est un vrai conte de fées. Non, 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 non. Nous ne donnons pas de coups de baguette. Nous appuyons sur des boutons. Oui, 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 oui. Vous comprenez maintenant que pour nous, provoquer des courants thermiques ascendants, augmenter le champ magnétique d'un secteur ou agir sur l'électrostatique de l'atmosphère est aussi simple que de réaliser une bombe atomique. Oui, je vois. Et dire qu'il se trouve chez nous des spécialistes qui sont encore à nier l'existence même du phénomène naturel. Vous pouvez vous approcher, Mortimer, et tout regarder. Ce n'est pas dangereux ni pour vous, ni pour nous. Le professeur Milok vous a gâté en fait d'explication, hein? Oui, je lui en sais gré, d'ailleurs. Enfin, bien que parmi ces manettes, ces boutons multicolores, ce cadran, je me sens un peu perdu. Non, mais ce n'est pas grave, puisque vous n'avez pas à utiliser
utiliser ce pupitre de commande. Ce qui est intéressant pour vous, c'est de découvrir l'ampleur de nos réalisations et d'en comprendre le fonctionnement. Vous êtes vraiment très fort. Merci. Et je parie que si je racontais ça à mes amis, ils me croiraient fou. Oh, sans aucun doute. Mais pourquoi faire un pari stupide, Mortimer? Les révélations sensationnelles du professeur ne vous ont été faites que parce que nous savons que vous ne reverrez jamais vos amis. Depuis un moment, oui, et grâce au professeur Mellock, je me dis que l'impossible devient parfois possible, avec de la chance. Mon pauvre ami, comme j'aimerais partager votre optimisme. Mais ma soif n'est pas encore étanchée, professeur. À votre service, mon cher confrère. Que voulez-vous savoir? Eh bien, tenez, au hasard, là, cet interrupteur noir isolé, à quoi sert-il? Cet interrupteur, c'est un... Yes. Assez, professeur! Bon sang! Vous en avez déjà beaucoup trop dit. Professeur Mellock, vous paraissez bien bavard. Mais général, juste... Vous, colonel Ulrich, bien imprudent. Si vous permettez, mon général... Général, nous ne risquons rien, ces renseignements sont purement théoriques. Et de toute façon, le professeur Mortimer ne saurait en faire usage, puisque le colonel... Oui, en effet, général, il n'y a aucun danger qu'il bavarde. Voilà. Puisque, sitôt sorti d'ici, il sera liquidé. Ce que nous lui avons révélé correspond, en somme, à la dernière cigarette du condamné. Quant à nous brûler la politesse, impossible, voyez. Je garde sur moi la clé de ses menottes. Dans ces conditions, je vois mal... Colonel Ulrich, il est hors de question que cet homme soit liquidé, comme vous dites. Mais général... Vos rancunes personnelles ne nous intéressent absolument pas. Le professeur est à nous. Il reste encore de grandes tâches à accomplir. Nous avons besoin de savants, et de celui-ci en particulier. Général, puis-je vous rappeler que cet espion m'appartient, que... Assez, dans ce... colonel. Veuillez remettre ces clés au professeur Mellock, qui répondra sur sa tête de la vie du prisonnier. Ben, allons, obéissez. C'est bon, c'est bon. Voilà les clés, professeur. Merci, colonel. Ça s'appelle de l'abus de pouvoir, général, mais je crains bien que votre savant ne vous serve bien longtemps. Ouais, il va falloir s'occuper de lui. Garde, conduisez cet homme à la section D. Et vous, Mellock, suivez-moi. Notre heure est venue. Mitraillette au poing, deux gardes en combinaison jaune enferment Mortimer dans une cellule. Pendant ce temps, à la DST, Blake et Pradier, qui sont revenus bredouilles de leur exploration au trou salé, tentent de renouer le fil qui les conduirait à Mortimer. C'est incompréhensible. Les derniers mots de Mortimer ont été « Je vais aller jeter un coup d'œil à l'étang du trou salé ». C'est bien ça, n'est-ce pas? Exact. Or, celui-ci se trouve en bordure de l'aérodrome. Comment pourrait-il s'y passer des choses extraordinaires? Oui, évidemment. Et pourtant, Pradier, je persiste à croire que l'endroit que cherchait Mortimer se trouve dans le secteur, limité en gros par les étangs de la Genest, les loges en Josas et ce fameux étang de Trou Salé. Mais quant à savoir ce qu'il est devenu, pauvre Mortimer. Alors, Ramon, cette carte, vous devez la connaître par cœur depuis le temps que vous l'étudiez. Ça, pour la connaître, mais ça ne nous apprend pas où est passé le professeur. Voyons, la ferme de la Porte des Loges, la Gérinière, le parc de Buc, le château de Troussalet. What? Château de Troussalet? Oui, Troussalet. Comment avez-vous prononcé? Ben comme ça s'écrit, Troussalet, château de Troussalet. Oh, by Jove, Pradier, tout s'explique à présent. Qu'avez-vous, Blake? Mortimer n'avait emporté qu'une simple carte routière et celle-ci ne pouvait mentionner le nom de ce château. Il l'aura demandé à un passant. Et oui, et après? En bon anglais, il aura compris Troussalet pour Troussalet. Ce qui fait que nous avons été aiguillés sur une fausse piste. Nom d'un chien. Voyons la carte ensemble. Voyons cette carte d'état-major. Château de Troussalet. Un fameux morceau, dites-donc. 2 hectares au moins, plus un étang. Vous connaissez ça, vous autres? Oui, patron. Mon beau-frère est du patelin. Le château en question est un ancien manoir, transformé en manufacture en 1789.
Puis il a connu des hauts et des bas jusqu'au bombardement de la dernière guerre. Et moi, je le croyais abandonné. Paddy, un domaine abandonné, voilà qui constitue un excellent repère. Et aussi une position stratégique de premier ordre pour un parachutage éventuel. Tonnerre! Regardez vous-même. Juste à côté de l'aérodrome de Toussu, oui. À moins de 2 kilomètres du camp de Satori, oui. À 4 du terrain de Villa Coublay, et à 5 du centre atomique de Saclay. Qu'en pensez-vous? J'ai compris. Ramon! Oui, patron? Appelez immédiatement les CRS. Bien, patron. Allô, allô. DST à QGCRS, attention, priorité absolue. Attaque possible par parachutage aérodrome Toussus-le-Noble. Prenez disposition, nous répétons. Attaque possible par parachutage aérodrome de Toussus-le-Noble. Prenez disposition. Allô, allô, ici aérodrome Toussus-le-Noble. Appelons camp de Satori. Dispositif d'alerte numéro 1. On craint parachutage élément inconnu. Prenez immédiatement disposition. Je répète, Toussu appelle Satori. Urgence. Prévoyons attaque élément subversif très dangereux. Ici Satori. Appel entendu. Nous prenons toute disposition et alertons centre de Saclay. Nous répétons, consignes d'alerte sont appliquées immédiatement. Message est transmis au centre de Saclay. C'est fait, mon colonel. L'alerte a été donnée partout. Bien. Alors nous nous sommes bien compris, n'est-ce pas? Il s'agit de cerner le château, mais sans attirer l'attention. Vous coupez la nationale 838, les départementales 117 et 91, ainsi que le chemin de la Jeuneste. Un officier attendra à proximité des arcades l'arrivée du commissaire Pradier. Bien, mon colonel. Professeur Minock, l'heure H va sonner, celle de notre triomphe. Êtes-vous prêt? Je suis prêt, général. Alors, allez-y. À vos ordres, général. Attention, ici professeur Minock. Attention, préparez-vous, c'est l'heure de l'attaque. Tout le monde à son poste. Garde, mettez vos masques. Attention, H-10. Je compte. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Un simple geste de Minock et d'étranges appareils sortent de terre, écartent les filets de camouflage et se dressent vers le ciel. Ce sont les terribles armes dont Minock a parlé à Mortimer, les bazookas à ondes ultra-courtes et les émetteurs d'énergie. Bien à l'abri, Ulrich, lui, attend le résultat de sa machination personnelle. Alors, Sadi, tout va bien, chef. Les deux hommes de Minock se sont laissés convaincre grâce à nos arguments sonnants. Et en ce moment, leur patron est trop occupé pour s'inquiéter de son pensionnaire. Bravo, Sadi. Dès le prochain repas de l'anglish, il nous sera facile de... Oui. Je crois deviner ta pensée, Sadi. Il nous sera facile d'assaisonner le plat de Mortimer avec ceci. Un petit sachet dont le contenu saupoudrera le... Mais je connais ton savoir-faire et je te fais confiance. Soyez tranquille, chef. J'ai un petit compte à régler avec ce type-là. Et les bons comptes font les bons amis, Sadi. En dehors des inspecteurs, et pour plus de sûreté, j'ai demandé qu'un quart de CRS nous attende à la porte de Saint-Cloud. Parfait. J'espère que nous n'arriverons pas trop tard. Nous sommes prêts, chef. Alors en route, les gars. Et je vous rappelle qu'il ne s'agit pas d'une partie de campagne. On ne va pas non plus jouer aux gendarmes ou aux voleurs. Hein. Vous connaissez l'ampleur de l'entreprise, les buts des responsables et les conséquences de leur attaque, si elle réussit. Vous inquiétez pas, chef, tout ira bien. Oh, Blake, regardez-moi ce brouillard. Et curieusement jaune.
Pas de doute, c'est ce qu'avait annoncé la brousse. L'attaque est bien pour aujourd'hui. Allez, en voiture, vite, tout le monde. Jamais vu ça, patron. Non, il y a vraiment quelque chose d'anormal. Pourvu que nous n'arrivions pas trop tard. Autre chose m'inquiète, c'est l'expression bizarre des gens dans la rue. Vous l'avez remarqué, Pradier? Oui, ça aussi est inquiétant. Ils se tordent tous de rire. Bah, pour ne pas dire complètement loufoque. Tiens, t'allais regarder ces deux-là qui dansent sur le trottoir, là. Oh, et ce bonhomme, une rose à la main, avec son veston et son chapeau en arrière, on dirait Roger Nicolas. Dites, Vidal, vos vitres sont bien fermées, mon vieux. Oui, patron. Oh, tonnerre! Celui-là a bien failli passer sous les roues. Oh, Pradier, ça va mal. Mais vous avez vu, il a bondi devant le capot en nous faisant rouler les cornes. Complètement cinglé. Non, on dirait qu'ils sont tous sous. Et ralentissez un peu, Vidal. Il y a déjà cet infâme brouillard. Si les passants se conduisent comme des gamins, il vaut mieux se méfier. Attention! Oh là, l'idiot! Il a failli nous faire déraper. Non, mais on a l'impression qu'ils sont plus conscients du danger. Des vrais mômes, quoi. Oui, mais je trouve qu'il y a vraiment beaucoup d'adultes dans cet état aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire, enfin, hein? Oh, Pradier! Vidal, à gauche, vite! Ça alors, c'est le bouquet! Un autobus fou, avec une plateforme remplie de gens se tordant de rire! T'es vrai, ma boule. Ah, oh, moi, j'y perds mon latin. Nous sommes comme vous, mon pauvre Vidal, incapables de comprendre ce qui se passe. Allô? Allô? Centrale, un commissaire Pradier. Bien, c'est la boîte qui vous appelle, chef. Centrale, un commissaire Pradier. Très important. Avertissement grave et urgent du professeur Labrousse. Bon sang. Le brouillard qui recouvre actuellement la région parisienne est toxique. Oh. Hello. Ce gaz contient en effet un élément inconnu qui absorbe l'azote de l'air et augmente sa teneur en oxygène. Son inhalation provoque un accroissement de l'activité cardiaque et cérébrale. Conséquence inéluctable. Mais c'est affreux, ceux qui le respirent. D'abord, une phase de bien-être, d'exaltation, qui peut aller jusqu'au délire et à la folie. Ensuite, un battement profond et inévitablement mort. Terminé. Mon Dieu. Pradier, voilà qui explique tout. Il faut alerter immédiatement tous les points vitaux et trouver d'urgence des masques à gaz. Pour les masques, ce sera facile si les CRS sont au rendez-vous à la porte de Saint-Cloud. Ils en possèdent. Quant à donner l'alerte générale, oui, et bah, y a rien d'autre à faire. Cette fois, Vidal, foncez, tant pis pour la casse. Compris, patron. Allô, allô, commissaire Pradier à Centrale. Allô, Centrale, ici Pradier. Entendu votre appel. Ordre, alertez immédiatement. La frégate fonce vers la porte de Saint-Cloud. Mais là-bas, un spectacle ahurissant attend Blake et les hommes de la DST. En plein milieu de la place, des CRS, hilars, prennent d'assaut un camion de primeur et se bombardent à coups de tomates avec la bénédiction joviale du chauffeur. Allez, prends celle-ci. Brigadier, vous avez raison. Tant pis, il faut y aller. Vidal, vous refermerez la portière derrière moi. Mais Pradier, le brouillard. Justement, il faut que j'aille chercher les masques dans le car des CRS. Good luck. Merci. Fais une tête. C'est à peine croyable. Vos masques tout de suite, bande d'idiots! Vous entendez? Mettez vos masques, c'est un ordre! Les masques? Et pourquoi faire? C'est pas le carnaval! Le car, vite! Ça y est. Tenez, Vidal, votre masque. Mettez-le. Et en route, vite! Merci, patron. Un pour vous, Blake. Et un pour vous, Didier. Cependant, au cœur de la station souterraine, le professeur Milok fait son rapport au mystérieux général. Général, j'ai le grand honneur de vous annoncer que l'opération est un succès total. Les rapports des autres stations sont concordants. Notre brouillard produit l'effet attendu et déjà des dizaines de milliers de personnes. Dans un des nombreux couloirs de la station pilote, deux hommes revêtus d'une sorte de scaphandre s'avancent. Et tout à coup... Stop. Un instant, camarade.
Enfin, mon heure est venue. Faites vite, si on nous voyait, on pourrait... Mais ça sera pas long, voyons. Voilà. Juste le contenu de ce sachet dans la boisson de mon ami. Là. Absolument sans saveur. Et hey, maintenant, vous pouvez porter votre plateau. Merci, les amis. À votre santé, professeur Mortimer. Voilà votre repas. Sandwich et carafon de vin. Eh bien, je suis au moins sûr d'une chose, on ne veut pas me laisser mourir de faim. What? Vite, dans le couloir. Mais qu'arrive-t-il? Enfin, expliquez-moi. Où allez-vous? Où est-il passé? Par ici, chef. C'est lui, j'en suis sûr. Vite, c'est dans le couloir central. Sur qui avez-vous tiré? Bien, on a tiré au hasard. Parce que ça dit, avez-vous quelqu'un qui s'est sauvé? L'autre prisonnier. Et en venant par le couloir, vous n'avez vu personne? Personne. Mais en venant vers vous, on pensait bien avoir à nous servir nos mitraillettes. Non, vous voyez, chef, c'est dit à rêver. Mais pas du tout. Je l'ai bien reconnu. Il se sauvait par là. Ça va, allons jeter un coup d'œil de l'autre côté. Vous, les gardes, faites le tour par la grande galerie. Comme ça, pas de danger qui nous échappe. Enfin, si quelqu'un s'est réellement échappé. Je vous jure, chef. Viens avec nous, ça dit. Avec Charquet, on va fouiller tous les coins. Ok. Sadie a bien vu. Un homme s'est échappé et il court en ce moment dans le couloir emprunté il y a un instant par les deux gardes jaunes. Bon sang, s'il me retrouve, mon compte est réglé. Mais c'est qu'ils font pas de cadeaux, ces gars-là. Hein? Ah, des portes. Oh, bon sang, fermé. Voyons la suivante. Encore fermé. Et celle-là. Ah ! Elle est ouverte. Ouf. Hein ? Vous ! Oh. Ça alors, monsieur le professeur ! Oh. Ça alors ! Ernest ! Oh. Je ne dirais pas que je suis heureux de vous rencontrer ici, mais enfin, je me sens moins seul. Alors, vous êtes prisonnier aussi, monsieur ? Eh oui, kidnappé alors que je visitais le parc. Oh ! Mais vous, je vous croyais noyé. Que vous est-il arrivé? Ah, m'en parlez pas, professeur. C'est toute une histoire. Ça, le soir où j'ai été vous chercher à Versailles, je m'en souviendrai, foi d'Ernest. Car l'aventure, moi, je peux en parler. Il y en a qui font des milliers de kilomètres pour éprouver des émotions. Eh bien, moi, Ernest Brisson, l'aventure, elle est venue me chercher, pour ainsi dire, à domicile. Mais et, racontez, Ernest, racontez. Oui. Eh bien, voilà. Eh bien, voilà. Après vous avoir laissé près de mon taxi, vous vous souvenez? Je suis remonté vers la route. Pendant qu'Ernest raconte son histoire, une frégate bleue ardoise arrive près du camp de Satori. Je commence à étouffer sous ce masque, patron. Ah, si vous préférez être asphyxié par ce satané brouillard... Mais dites donc, mon vieux, vous ne vous êtes pas trompé de chemin, au moins? Ça m'a paru bien long. Je ne crois pas. Mais dans ces cirages, chef, faudrait pas m'en vouloir. J'ai l'impression que nous sommes sur la bonne route. Vous appelez ça une route, Blake? Eh bien, vous n'êtes pas difficile. Mais qu'est-ce qu'il a, votre moulin? Au nom d'un chien, regardez le niveau d'essence. C'est la panne sèche. Oh, c'est le bouquet. Avoir quitté Paris sans encombre, avoir franchi tous les obstacles et venir s'échouer stupidement à deux pas, peut-être, de notre objectif. Ne nous lamentons pas, Pradier. Si c'est à deux pas, nous les ferons à pied. Ok. Vérifiez bien les attaches de vos masques. Allons-y. Les trois hommes de la DST et le capitaine Blake se mettent en marche sur un chemin détrempé par la pluie. Au bout d'un quart d'heure, Pradier s'arrête et tend le bras. Regardez les cryptos. Zone interdite, camp de Satori. Une chance! Ce n'est pas tout à fait ici que nous venions, mais enfin, nous allons pouvoir nous expliquer. Une sentinelle, là-bas. Oh! Oh, arrêtez! Police! DST! Il nous fait signe d'avancer. Allons-y! Eh ben, dites donc, ils ont la détente sensible par ici. En ce moment, c'est normal. Hein?
Quelques minutes plus tard, nos amis sont introduits auprès d'un des rares officiers encore en état de les entendre. Brièvement, Pradier lui expose la situation. Oui, je vois. Il est indispensable que vous nous prêtiez main forte. Votre aide évitera peut-être une catastrophe. Mais c'est une terrible responsabilité, commissaire. Pensez, on a dû mettre sous clé les trois quarts des effectifs. Tous foyers. Il faut faire quelque chose, lieutenant. Oui, bon. Alors, je mets à votre disposition tout ce que je peux. Pas grand-chose. Trois blindés avec leur équipage. Merci, lieutenant, merci. Suivez-moi. N'oubliez pas vos masques. Et au moment où les trois blindés sortent du camp de Satori, Ernest termine le récit de son histoire. Quand j'ai vu ce sacré brouillard, je me suis dit, nénès, c'est loupé. Une porte était entrouverte, j'ai bondi à l'intérieur, et j'aime mieux vous dire que c'était moins 5. Pourquoi ? Des gars sortaient de partout. Ils portaient des masques à gaz. Ça m'a rappelé la fameuse défense passive en 39. Des masques à gaz, oui. Vous êtes sûr ? Ah, certain, professeur. Même qu'un des bonhommes a dit, ce que c'est embêtant ce truc-là. Et un autre a répondu, « T'en fais pas, petite tête, les autres seront bientôt là. » Mais je comprends, ils ont émis un brouillard nocif pour paralyser les populations et permettre aux para-ennemis d'opérer en toute tranquillité. Oh, c'est affreux, il faut absolument faire quelque chose. Ah ben moi je veux bien, monsieur, mais quoi ? Mon pauvre Ernest, je sais pas, mais c'est bien ce qui me nave. Ben, je sais. Ah, être là, croupir au fond d'une cave alors que là-haut... Ah, puis on étouffe ici. Ça, sans votre respect, hein. On peut pas dire que ça sente bon, hein? Pour comble, il ne me donne à boire que du mauvais vin. Une vraie piquette. Mais tant pis, j'ai trop soif. Ah non, buvez pas, monsieur, buvez pas! Pourquoi? Mais non, non, mais ce vin est empoisonné! Quoi? Oui, professeur, oui. Juste avant d'être opéré dans le couloir, j'ai dû me garer. Trois gars sont passés, et il y en a un qui a dit, « J'espère, ça dit, que le professeur Mortimer a trouvé bon le vin que je lui ai fait porter. » Et un type en casquette a répondu en rigolant, là. Avec ce que j'ai mis dedans, on ne le saura jamais, chef. Je vois, c'est encore un tour de ce scélérat d'Ulrich. Oh, mais ça me donne une idée, Ernest. Ah ben, vous avez bien de la chance, monsieur, parce que moi, pour penser, il faut que j'aille les fesses sur le siège de mon taxi. Oui, ou alors les pieds dans mes pantoufles. Enfin, je crois que nous allons sortir d'ici. Quoi? Oui, seulement après, qu'est-ce que je ferai avec ces menottes au poignet, moi? Oui, ça faut dire que comme gourmette, c'est plutôt le modèle robuste. Hein. Oh, ouais. Oh, mais Eureka! Quoi? Dans le placard, je me suis caché tout à l'heure. J'ai vu des outils. Je crois même qu'il y avait une cisaille. Oh, merveilleux Ernest. Hey, avant d'aller fouiller dans le placard, oui. Écoutez-moi bien. Ben, je vous écoute, monsieur. Mon ami, puisque je suis censé avoir bu du vin empoisonné, il serait élégant, je crois, de ne pas décevoir nos geôliers. Alors, je vais mourir. Qu'est-ce que vous dites, monsieur? Je vous dis que je vais mourir. Mais... Dans quelques instants, vous allez voir un homme se tordre sous vos yeux, se tordre de douleur. Vous, professeur? Oui, moi, Ernest. Ah bon? Bon. Mais alors moi, qu'est-ce que je ferai? Rien. Vous attendrez, dissimulé derrière ces caisses. Vous attendrez qu'on vienne. Ben d'accord, tout ce que vous voudrez. Et je vais chercher l'outil parce que... Allez-y, Ernest, allez-y. Mais qu'est-ce qui vous fait rire, monsieur? Rien, mon bon. Allez vous cacher et vous comprendrez. Il n'y a pas besoin d'explication. Ah bon? Je le prépare, un de ces petits tours, Ernest. Vous m'en direz des nouvelles. Bon, vous êtes prêt, Ernest? Bah oui, j'espère que ça va. On ne me voit pas derrière ces caisses? Non, non, pas du tout. Alors vous agirez dès que je vous appellerai. Entendu, monsieur. Bon, c'est le moment. Ernest, mon ami, puisque je suis censé être empoisonné, vous allez assister à mon trépas. Quoi? Oui, d'abord, je m'allonge par terre. Là, allez, on y va. Oh! 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 Ça y est! Je crois qu'il a son compte! Hé! Hey, arrive! Mais qu'est-ce que c'est? Oh là! Chez moi, non! Oh! Edin, attention, voilà le deuxième. Hein? Tu vas payer cher cette comédie, toi. Allez, à vous de jouer, Ernest, vite. Attrape ça, toi. Oh, allez. Bravo, Ernest. Bravo. Ah non, c'est plutôt vous, monsieur. Le coup d'attraper le garde par les deux chevilles et de l'envoyer promener avec les deux jambes. Alors non, pardon, champion, hein. Et avec des menottes aux mains, encore. Oui, j'ai eu de la chance. Cette sorte de sous-témis japonais est très efficace. Ah, je comprends. Mais alors, votre caisse pour le deuxième, c'était pas mal non plus, hein? Bah, j'ai l'impression qu'ils sont au pays des songes pour un moment, hein. Bon, allez, maintenant, Ernest, allez chercher la cisaille et démarrez-moi de ces bracelets. Tout de suite, monsieur.
Nous endosserons les scaphandres de ces deux gardes et leurs bouteilles d'air, et après ça, munis de leurs mitraillettes, nous pourrons explorer cette satanée usine sans trop de risques. Tendez-vous, monsieur. Tenez, voilà. Ça va pas être long avec cette cisaille. Bon, allez-y. Et voilà. Et bon, by Jove, quelle dextérité. Félicitations, Ernest. Oh, sans me vanter, je peux dire que ces outils, ça me connaît. Allez, bravo. Maintenant, enfilons vite ces combinaisons. Oui. Parce que nous gagnons la première manche, mais le plus dur reste à faire. En un temps record, les deux hommes passent les combinaisons jaunes des deux gardes. Ils fixent ceinturon et bretelles, puis Mortimer ramasse la mitraillette du premier garde. Cagoule baissée, ils sont maintenant méconnaissables. Prudemment, Mortimer et Ernest se glissent dans le couloir. Bon, il n'y a personne, tout va bien. Il faut retrouver le bureau de Milok. Ça doit être par là, je crois reconnaître. Mais attention, Ernest, ayez l'œil, hein. Pour ça, vous pouvez être tranquille, monsieur. Dame, son bureau est vide. Oui, oui, mais la cloison murale est entrouverte. Oui, alors il est peut-être dans la galerie du hall des accumulateurs. Peut-être. Allons-y et méfiance. Bientôt, nos deux amis arrivent dans la galerie où règne cette curieuse lueur verdâtre. Tout à coup, ils reconnaissent, de dos et assis devant un pupitre, le professeur Milok. Et sans bruit, il s'approche du savant. Quoi ? Qu'est-ce que vous fichez ici ? La place des gardes n'est pas dans la galerie, vous le savez. Et vous baissez cette mitraillette. Mais qu'est-ce que ça signifie? Vous êtes fou, non? Moi que vous le croyez, professeur. Hein? Ernest, placez-vous derrière mon honorable confrère et surveillez-le. Compris, monsieur. Bon, et maintenant... Quoi? Mais qu'est-ce que vous voulez? Parlez technique, cher confrère, tout simplement. D'abord, je voudrais savoir comment on arrête cette diablerie. Puisque vous êtes si fort, devinez le don, cher illustre professeur. Prenez garde, Milok. Nous ne sommes pas ici pour jouer aux devinettes. Dépêchez-vous de répondre, ou sans cela, je... Allô, allô. Ici, Alaric. Prenez garde, Milok. Mortimer s'est échappé. Ils sont ici, dans la galerie. Qu'est-ce qu'on fait? Allez, ne bougez pas, Milok. C'est un ordre. La porte du bureau est bloquée. Ça me donne quelques minutes. Je vais essayer d'arrêter ça. Oui. Tenez, Ernest. Prenez ma mitraillette et tirez sur le premier qui se montrera. Compris, patron. Ah, bon sang, il faut faire vite. Ernest, mettez-vous à l'abri derrière la valve blindée de l'escalier. Ça vous fera un excellent bouclier. Ouais. Bon, maintenant, Milok, dites-moi où se trouve le bouton d'arrêt de cette machine infernale. Vous ne tirerez rien de moi, Mortimer. Ah, il n'y a aucune inscription compréhensible et pas une commande qui soit à sa place habituelle. Si seulement je trouvais l'interrupteur général. Voyons, ne nous énervons pas. Mais, oh, est-ce que par hasard ce ne serait pas cet interrupteur noir? Dites-moi, Milok, qu'on ne couperait pas tout grâce à cet interrupteur noir? Je vous ai interrogé à son sujet l'autre jour, mais vous n'avez pas eu le temps de me répondre. Votre général vous a coupé la parole. Faut vous rappeler. Alors vous ne répondez pas, c'est que ce doit être ça. Voyons. Ne touchez pas à ça! Mais... Ne touchez pas à ça! Allez! Oh, les gars! Ernest, ne le laissez pas approcher! Le premier qui fait un pas, je transforme en passoire, compris? Milok, calmez-vous. Vous n'avez aucune chance! Vous ne sortirez jamais d'ici! Toutes les issues sont gardées par nos hommes! C'est ce qu'on verra, crapule! Bah! Rendez-vous! Jamais! Fais la volonté! Attention! Pas d'imbécile! Ne tirez pas par ici! Je suis là! Enfin, maintenant, Milok, à nous deux! Où se trouve l'interrupteur? Cherchez-le! Alors tant pis, vous l'aurez voulu! Allez, allez vous répondre! Je vous assomme sur ce pupille! Non! 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 À moi, Ulrich! Bande de lâches, attaquez-le! Dites que c'est ce bouton rouge, hein! Mais dites-le! Vous voulez rien dire, alors vous couperez vous-même avec votre crâne! Non! Non, pas ça! Non, pas celui-là! Pas celui-là! Pas celui-là! Sors, tu peux! What? Mais qu'est-ce qui se passe, monsieur? Qu'arrive-t-il, Milok? Je vous avais prévenu! Vous venez de déclencher le dispositif noir! Dispositif noir? Oui! Lâchez-moi! Il s'est sauvé! Oh! Regardez-le! Les vitres qui fondent! J'ai l'impression, Ernest, que j'ai fait du propre.
Non, non, vous approchez pas, ces grosses aiguilles gigantesques sont mortelles. Mais bon sang! Éloignons-nous du pupitre. Mais c'est l'enfer, monsieur! Essayons d'éviter les éclairs qui nous environnent. Un seul suffirait à nous transformer en sang. Alors souhaitons-nous bonne chance. En avant, Ernest, il faut faire quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Non mais regardez-moi ça! Le dispositif noir libère toutes les réserves d'énergie accumulées ici et le grand générateur de son côté marche à une cadence accélérée. Oh là là! C'est terrifiant! Oh non, partons, monsieur, partons pendant qu'il est encore temps! Non, non, Ernest, il faut d'abord arrêter ces maudits appareils. Mais écoutez! Nous allons essayer de couper les câbles d'alimentation. Venez! Oui, mais pas, je me fais. Pendant ce temps, Ulrich et ses complices sortent de l'usine souterraine. Dans le parc de trous salés, l'effrayant armement conçu pour bouleverser le temps bombarde le ciel. Et pendant qu'un terrible ouragan balaye le brouillard toxique, les bazookas et les canons du professeur Milok crachent des rayons thermiques, des ondes ultra-courtes, des éclairs électriques et des météores artificiels, en gerbes foudroyantes. Et maintenant, bloquez-moi cette dalle! Tant pis pour les retardataires. Mais chef, et le général, et Milok... Pas le temps de faire du sentiment, la dalle! Bien, chef. Mais dites donc, patron, là, qu'est-ce qu'on va devenir, nous, maintenant que c'est déclenché? Mais jamais on en sortira vivant! Mais tonnerre, vous êtes des hommes ou des souris? Oh, ben, y'a pas de quoi s'étonner. Planquez-vous dans les anciennes écuries, attendez-y la fin de ce feu d'artifice. Pour le reste, faites-moi confiance. Je vais partir en reconnaissance avec Freddy et Sadie. Exécution! Tac, patron, allez vous autres. À l'abri, dans les écuries, là. Ouais, j'aimerais quand même bien que ça soit fini, hein! Sadie! Oui, chef. Sors la bagnole en vitesse. Je te garantis que les barrages de CRS ne nous arrêteront pas. Compris, chef. J'y vais. Ulrich et Sadi s'apprêtent à abandonner leurs complices. Or, en ce moment même, trois blindés s'engagent sur le chemin de la jeunesse. Dans l'un d'eux ont pris place Blake et Pradier. Arriveront-ils assez tôt pour sauver leur ami? Avec cette barre, je vais mettre les accumulateurs en court-circuit. Attention, Ernest, ne vous approchez pas! Malheur, son appareil respiratoire a touché un émetteur d'infrarouge. Ernest! Ernest! Les malheureux, son corps reste suspendu à l'appareil et le voilà qui s'élève. C'est affreux, il faut le tirer de là, je vais m'accrocher et... Hop! Oh. Le plafond s'ouvre pour laisser passer l'émetteur. Nous sommes en pleine anticipation, Mortimer. Pourvu que ce pauvre Ernest ne soit pas mort. Oh, quel arrêt brutal! Tiens, je suis sous une coupole. Cette fente qui s'élargit, voyons ça. Oh, le parc de trous salés. Tout est en feu. C'est hallucinant. Et le château en flamme, on dirait la fin du monde. Bon, moi aussi, ça aurait bien pu être la fin du monde. Oh, Ernest! Ah. Enfin, vous avez dû prendre une décharge. Ah, pas de doute là-dessus, monsieur. J'ai fait un bond et plouf, le noir, pluriel. Et... Ah. Vous revenez de loin, mon cher Ernest. Oui. Et c'est pas encore aujourd'hui, j'irai voir de l'autre côté ce qui se passe. Oh! Ah, oh, mais alors là, dites donc, vous parlez d'un spectacle. Comme mise en scène, c'est réussi, oui, hein. Oui, ce sont leurs batteries qui ont déchaîné cet orage. Et après ma syncope, en bas, comment ça s'est passé? J'ai compris que ce fameux interrupteur noir sur lequel Milok se cognait la tête, oui, déclenchait un dispositif d'autodestruction. Ah, le fameux dispositif noir? Oui. En quelque sorte, cette usine du diable est en train de s'aborder. Pour le plus grand bien de la civilisation. Ah oui, alors? Pour l'instant, nous sommes encore protégés par les épaisseurs de béton du hall central, mais il vaut mieux prendre du champ. Sortons d'ici, Ernest, cet endroit est devenu parfaitement inhabitable. Oui. Et les autres? Et les autres, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ulrich et Sharkey ont réussi à sortir de la galerie. Allez. Quant à Milok, je ne sais pas. Tenez, venez par ici, Ernest. Nous devrions arriver sur la manufacture au bout du parc. Mais pressons-nous, monsieur, j'ai l'impression que la température augmente. Allez, let's go. Regardez, j'ai fait... Tout à coup, surgissant d'un mur de feu, une DS-19 passe en trombe et fonce vers la grille du parc. Fonce, Sadie, fonce! Mais regardez le chemin, chef! Tant pis! Attention! Un virage! Oh, on fait un blindé, mais break, break! Mais break! On est foutus! Mais break, Sadie, break! Alors, approchez! Dites donc, de ces trois oiseaux, lequel est Ulrich? C'est justement ce qui m'ennuie, Prady. Ulrich n'est pas là. Quoi? Non! Il nous a encore joué! Tonnerre! Dites donc, les gars, mettez-moi tous ces gens-là au sec. Et attention,
C'est du gibier dangereux. Allons en avant. Élément en l'air, toujours. Oh, Blake. Blake, c'est moi, j'arrive. My Lord, Mortimer. Non. Mais si, c'est lui, ce cher Philippe. Venez, Pradier, nous allons devant de lui. Que vous est-il arrivé, my friend? Oh, le chien! Mais qu'avez-vous? Je vous expliquerai plus tard. Regardez le chien, il faut le suivre. Vite, suivez-le! Allons-y, Pradier. Philippe doit avoir ses raisons. D'accord. Trois hommes avec nous, vite! Eblis, le terrible doc de Sadie, conduit nos amis près de l'étang à la sortie de ce tunnel sous lequel Mortimer, vous vous en souvenez, faillit se noyer un soir. Vous allez voir, une bonne surprise. Gâtez seulement ce trou sous la maison. Et vous, les enfants, le doigt sur la gâchette. Enfin, Philippe, me direz Je vous raconterai tout, Francis, mais d'abord, il faut... Le voilà, enfin. Bonjour, colonel Ulrich. Soyez le bienvenu. Ulrich? Oui, c'est lui. Par ici, s'il vous plaît. Permettez-moi de vous présenter le comité d'accueil. Capitaine Francis Blake, de l'Intelligence Service. Commissaire Pradier, de la DST. Et quelques autres qui, désormais, vont prendre soin de vous. Vous chantez trop tôt victoire. Dans quelques minutes, les nôtres seront là. Rien ne pourra les arrêter. Ma mission a réussi, Mortimer. Ne vous en déplaise. Erreur, mon cher. Erreur. Votre station pilote est détruite. Vos principaux réseaux sont désorganisés. Vos supérieurs presque tous arrêtés. L'alerte générale et tous les points vitaux sont gardés militairement. Votre attaque surprise, Ulrich, est manquée. Mais vous resterez avec nous quelque temps. Nous avons de tas de choses à nous dire. Oh, ça va garder vos boniments et que le diable vous emporte tous. Désolé, Ulrich, mais vous êtes mat. Rappelez-vous, Mortimer. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Vous gagnez cette partie, mais le jour où je pourrai prendre ma revanche, elle sera terrible, Mortimer. Terrible. Ulrich et ses complices sont mis hors d'état de nuire. Leur entreprise de destruction a échoué. Tous les responsables, à tous les échelons, seront châtiés. Ainsi, grâce à quelques hommes justes et courageux, disparaît un danger terrible qui menaçait notre liberté. Cette grande aventure se termine donc bien pour nous tous. Souhaitons qu'il en soit de même dans la prochaine histoire intitulée « Le piège diabolique ». Dans la série Blake et Mortimer d'Edgar P. Jacobs, vous avez entendu SOS Météor, avec Jacques Morel, Mortimer, Maurice Ténac, Blake, et Robert Chandot, Serge Sauvion, Maurice Nazil, Maurice Chevitte, Michel Puterflam, Henri Djanik. Bruitage et imitation, Joël Noël. Chef opérateur du son, Jean Jusforgue. Collaboration technique, Bernard Galli. Assistant, Jean-Claude Létard. Musique originale, André Pop. Réalisation, René Villemet. C'était Les Grandes Aventures de France 2, adapté et présenté par Nicole Strauss et Jacques Langet.